Hello, hello à tous. J'espère que vous allez bien. Très ravi de faire un petit live comme ça avec tout le monde. C'est un plaisir de vous retrouver. On est parti pour le premier match historique de mon club d'échecs. Huit valeureux joueurs qui ont été sélectionnés. Vous avez les joueurs qui sont juste là et ça va commencer avec bah, ni plus ni moins qu'un énorme choc entre deux joueurs qui sont 2500 élo tous les deux sur Chess.com. Et vous connaissez probablement l'un d'entre eux, c'est celui qui nous représente, c'est Sky Blues, Sky Blues, qui est aussi YouTuber et qui va défendre du coup les couleurs du club pour ce premier match. Ça commence dans deux, deux petites minutes euh, à 20h. C'est le début officiel des hostilités. Je vous explique comment ça fonctionne. C'est assez simple. On a du coup mon club à gauche, que vous voyez là contre le club de Joaquim que vous voyez là à droite. Et euh, de, cha de chaque côté, on a sélectionné 8 joueurs par catégorie Hello. Et les catégories Hello, c'est assez simple. Plus de 2000, entre 1800 et 2000, entre 1600 et 1800, entre 1400 et 1600, entre 1200 et 1400, entre 1000 et 1200. Et bon, bref, vous avez compris le principe. Et euh, du coup, 8 joueurs sélectionnés de chaque côté. La sélection elle a été rude chez nous. Il y a eu un tournoi de sélection et c'est les 8 valeureux joueurs qui vont défendre les couleurs du club. Je crois fort en la victoire et j'espère qu'on va l'emporter. Ça débute dans une petite minute où normalement Sky Blues devrait lancer le premier défi pour lancer ce match. Je fais un petit coucou à tous ceux qui sont dans le chat. Alors là, vu que c'est en public, je ne peux pas dire salut à tout le monde, ce que je fais d'habitude. Mais merci à tous d'être là dans le chat. Et, euh, et voilà, j'espère qu'on va l'emporter. Euh, en tout cas, on a tout fait pour. Et j'y crois dur. J'y crois dur, dur, dur. Alors, comment ça va se passer les, les matchs, on va commencer par les joueurs qui sont les mieux classés d'abord. Et petit à petit, on va se faire les matchs avec les joueurs qui sont les moins bien classés pour la fin. Donc, on va commencer avec Sky Blues, vous voyez. Et après, il y aura le match entre les deux joueurs qui sont 1900-1800. Et ainsi de suite avec pour terminer au final avec la partie de Maudit 34 qui est 790 contre Lucie Harmony. Allez, je pense que le défi a dû être lancé là, le premier défi. Et que si euh, je vais aller chercher un petit peu notre ami Sky Blues, on devrait avoir ce premier match euh, qui a été euh, lancé probablement. Ou peut-être pas encore. Ah si c'est bon. Allez, c'est parti Allez c'est parti, ça devrait s'afficher normalement ce premier match. Et c'est parti. Aïe 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 aïe. Il est belge, l'a l'ami en face. Petite française, dame 2, petite prépa. Alors, les joueurs ont eu les appariments à l'avance. Donc ça, je sens la petite prépa dame 2. Ok, B6. Bon, pas terrible, B6. Hein. Il veut éviter la prépa. Alors, Skyboost, il réfléchit. Ok, attaque est indienne. Bon, ça va. Moi, je, je suis hyper confiant sur Sky Blues. Je trouve qu'il est très, très fort en blitz. Ça va bien se passer D5. OK, j'ai 3. OK, il est dans ses schémas, là. Ça me va bien. Là, le petit fou 6 ça fait peur, là. Le petit fou... À... Ah, j'aime pas trop le fou 6 Allez, aïe, aïe. Ça, c'est pas... Ça, c'est pas... C'est un peu gênant, quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il fait, la Dame 3 Il mange en F1. C'est pas la fin du monde. C'est rien de grave. Et la barre est toujours égale. Mais. Euh... Ah, mais s'il va en E3, après il y a le fou qui vient en C5, qui, a... qui tape sur la dame. Bon. Bon, C4, là euh... Ah, je suis pas serein là sur l'ouverture. C4, j'aime pas trop la case en D4. Là, il y a un gros trou en D4. Mais bon, j'ai confiance. J'ai confiance en Skyblues. Il en a vu d'autres. En plus, la barre dit que c'est égal, donc ça doit être pas mauvais. Ok, KD7, je suis content. Franchement, KD7, je suis content parce que je pense qu'il aurait dû aller viser la case D4. KD7, c'est un peu bizarre, je trouve. La barre qui devient blanche. Allez, allez, allez. Bon, je suis, je suis tout excité. <laughs> à 19h30, on a fait un call avec tous les joueurs et j'ai fait mon discours d'avant-match. Donc là, je suis vraiment tout excité et je veux vraiment la victoire. Ok, KD3, ça développe les pièces. Ça me va bien. Fou B4. Franchement là, je suis plutôt content là. Enfin, E5, j'adore. Cavalier va bouger. La dame elle va arriver en E4. Ça va taper là. Préparer des maths en hachette. J'aime bien. KD5, il fait l'artiste. Il fait l'artiste. On peut pas prendre parce que Fou prend E2. Mais bon, euh, il fait... Euh, c'est plus beaucoup de choses, hein, moi je dis. Allez, allez Sky Blues. Bon, il faut qu'il faut qu défende ces trois là. Ouais, normal, dame C2, il défend ces trois. Bon, c'est deux joueurs à 2500, donc... Euh, normalement, c'est des beaux échecs. Hein. Forcément, ça voit les petites menaces comme ça. quoi Ok, tranquille. Bon, il a une mauvaise structure, ça j'aime pas trop. problème, il peut pas trop développer le fou parce qu'il y a le pion C4 qui est en l'air. Fou G5, j'aime bien. La dame noire, on sait pas trop la mettre. Je vois bien un petit fou D3, fou E4. Moi j'aime bien les blancs, hein, mais. Alors, Dick, il dit bar... la barre qui est vachement noire quand même. 0,3 pour les noirs. Moi j'aime bien les blancs perso. Dame-4. Dame Dame-4, j'aime pas du tout. Ah, oh, non, 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 Le parc est hyper noir Dame-4, j'aime pas trop. Il y a fou B7. Ah, oh, là, là, avec tout ça, là, dans le viseur. Ah, oh, là, 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 là. Oh, bon, en face, fait, il faut pas regarder le live, non plus, hein. Parce qu'il joue tous les meilleurs coups, là. Hein. OK, bon. Là, j'aime pas trop sa posit, parce que... Dame-4, je pense qu'il aurait dû développer ses pièces, Sky Blues... Mais c'est rien, c'est rien. 0,9, c'est pas grave. Il a une minute de moins. Allez, allez, c'est pas grave. Bon. Ok, faut il faut qu'il bouge la dame. Il faut qu'il défende le cavalier en même temps. Je pense qu'il va la mettre en F4. Ah, mais s'il la met en F4, il y a H6, le fou G5 qui est enfermé. Donc faudrait qu il faudrait qu'il vienne en E2, mais c'est vachement passif. S'il vient en E2, il y a peut-être Cavalier prend E5. Aïe 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 aïe. Si Cavalier prend E5, Fou prend H1. Sur Dame E2. Si Cavalier prend E5, Dame prend E5. Peut-être Fou prend F3. Oulala, là là, ça devient hyper tactique là. Aïe 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 aïe. aïe. Dame F4, mais qu'est-ce qu'il a vu sur H6 Qu'est-ce qu'il a vu sur H6 Qu'est-ce qu'il a vu sur H6 Le fou il est pas enfermé là Ah oh là 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 là, je crois qu'il a rien vu. Après, il est 2500, donc moi je fais confiance. Hein. Peut-être qu'il a vu un truc. Mais la barre qui est pas mal noire. Aïe aïe aïe, aïe. Oh, Ça va être chaud là. Ça va être chaud, ça va être chaud. Qu'est-ce qu'il peut faire Fou H4, Fou H4, G5. G5, cavalier. Ah oh, là 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 là. Pièce de moins, pièce de moins. Ouais, ouais, ouais. Dans le chat, on me dit ça sent le shadow boxing en face. J'aime pas du tout ça, ouais. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est pas grave. C'est pas fini, c'est pas fini. En oh, peut tout, à... tout, tout peut arriver Ah, ouais, Léo qui me dit Reine H4, pas mal Reine H4, mais bon, t'as le cavalier qui est en l'air là en F3. Allez, G5, j'ai 5 fourchettes. Bon, en face, ça hésite. Peut-être qu'il va pas jouer G5. Peut-être qu'il voit des fantômes. Allez, faut que je, faut, il faut que je me calme. C'est toujours plus simple avec la barre là qu'on voit à gauche. Elle a l'air vachement noire, donc je m'inquiète. Mais bon, en face, les, les joueurs, ils n'ont pas la barre, ils n'ont pas l'ordinateur, ils ont la pression. Ils savent qu'ils jouent devant des milliers de personnes. Bon, des milliers, j'abuse un peu, mais des centaines de personnes. Et voilà. Ça, je suis sûr, c'est pas bon. Voilà. Pas de pièce de moins. Euh... Ok, ok, ok. Truc attaqué. La tour qui attaquée. La barre qui est égale. La barre qui est égale. Allez, Sky Blues. Il y a un truc là. Il y a un truc. Moi-même, j'ai pas compris, mais il y a un truc apparemment à trouver là. Le fou il est enfermé, il y a un truc apparemment. Qu'est-ce qu'il a vu Si je prends le fou, c'est quoi l'idée J'ai pas compris. Oh 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 le génie Oh le génie Il sacrifie une pièce et l'ordi qui approuve. Oh là là, c'est égal Il y a tour D1 qui arrive. Tour D1. kid 7 qui est en l'air là. Qu'est-ce qu'il fait C'est fini <laughs> ah j'adore oh, là, 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 là Ah c'est magnifique. Alors là ce qu'il a fait c'est du génie. Oh là là En fait le gars s'il fait petit rock en fait le, le, le roi là il va se faire attaquer par la dame blanche c'est sûr. Et s'il fait rien il y a tour D1 qui arrive et le KD7 il est perdu. Oh, c'est incroyable ce qu'il a, qu a sorti du chapeau là Sky Blues. Incroyable. Position égale. Allez, on y croit. Sky qui reprend du temps. Plus de 40 secondes d'écart. Ok, qu'est-ce qu'il fait avec les Noirs Réfléchissons. En fait, faut il faut qu'il défende le cavalier, mais il peut pas le défendre. Donc, il faut qu'il... Faut... Peut-être Roi E7. Pour... Roi E7. Ah, mais Roi E7, Dame prend H4. Et le Roi, il est en échec. Donc, peut-être petit roc. Ah, il joue Roi E7, mais il y a Dame prend H4. Et le Roi, il doit rebouger à nouveau, non Grand rock, waouh! C'est pas si mal, hein, parce que le roi finalement, il a l'air bizarre comme ça en C1, mais il n'y a aucune pièce pour attaquer le roi. Ah, mais peut-être il y aura des Dames à 6, à 3. Ah là 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 Mais en même temps, il ne peut pas le faire tout de suite parce que le cavalier en l'air. Là, il faut qu'il défende le cavalier. Il a rendu la pièce! Waouh! Là, là, on sent que c'est deux parties entre 2-2500. Ce qu'on voit, c'est magnifique. Il a rendu la pièce, l'ordinateur il approuve. Et c'est vrai qu'en fait, il n'y a plus trop de pression. Il, le fou consolide. La dame ne peut pas venir attaquer le roi noir. Ça a l'air pas mal. Ah voilà, c'est ce que je craignais. Le dame à 6, dame à 3, là. Ah, c'est trop d'émotion. Je ferai plus jamais de club battle. <laughs> non, c'est trop d'émotion. Ok, comment il gère le dame à 3 là Ok, Dame D4, ça attaque là. Ça mange pas de pain. Ok, il a vu. Bah ouais, il est 2500. Hein. J'aime pas trop ce roi blanc là. Je le trouve un petit peu dans les courants d'air. Tour des deux solides. Je préfère les blancs quand même. Je sais pas, le roi il est bizarre là. On a 8. Attention là, il, y a... il menace fou à 3 Il menace fou à 3 Il menace fou à 3 Ah, il a vu. Ah, oh, super. 2500 je fais confiance. En général, les tactiques, ça passe pas à côté. Par contre là, dans la suite du match, ça va être des émotions, euh, je suis pas prêt. Dès qu'il y aura une menace de tactique, j'aurais peur que, que les joueurs, que mon joueur il, il lâche la tactique. Ok, damage 4, ça menace la tour, on adore. Ok, roi G7. Roi G7. Ok, échec. Peut-être nul, nul, non Roi H7, Dame E4, Roi G7, Dame D4, nul. Bon, en tout cas, on s'en sort bien. Comparé à la positive qu'on avait tout à l'heure, qui était à moins 2, totalement gagnante pour les Noirs, là, on prend un vrai ascendant psychologique. Il peut craquer, je pense. Et en plus, Clyde Blues, qui est passé devant autant. Non, là, je suis confiant. Je trouve que ça consolide pas mal. Il y a du H4, H5. La tour là qui est clouée. On menace H5. F5, c'est une concession quand même. Le roi, il est dans les courants d'air. Mais attention, il y a le. Oh Le pion C4. Le pion C4, il n'y a pas le pion C4 qui est en l'air là Qu'est-ce qu'il a vu sur Dame prend C4 oh Ah non, 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 ça s'est renversé là. Je pense qu'il aurait dû jouer Dame 2 pour défendre le pion C4. Ça s'est renversé là. Ouf. Ok, fou à 3, fou à 3, fou à 3, c'est chaud là. Ah roi D1, roi D1, c'est super triste de jouer ça, roi D1. Le roi qui est en plein milieu de l'échiquier. Tour F6. Tour F6, pourquoi tour F6 là C'est quoi l'intérêt de tour F6 G4, non. G4 il y avait pas G4 là pour ouvrir la ligne sur le roi Tour E1, ok. Je sens que ça va être une dinguerie cette partie. Bon. Franchement, il est moins bien, mais il a 15 secondes de plus à la pendule. Ça vaut un pion, ça. C'est sûr que ça vaut un pion. Tour des 4, on adore. Où va la dame Il a pas un petit G4 là Il veut pas jouer un petit G4 là Yes Yes Alice Raybouze C'est le Money Time là. G4, G4, un petit G5. On ouvre les lignes sur le Roi Noir. Lui il peut pas bouger le fou là parce qu'il y a lui qui est en l'air. G5! Allez, go 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 G5! Allez, on attaque le roi Surtout n'ouvre pas la colonne F. Mais non Mais non Mais non Oh ok, il a pris du pion, j'aime bien. Parce que les tours là, je les trouve un peu passives sur cette colonne fermée. Ça ouvre la colonne pour la tour, j'adore. Ok, dame des deux, dame des deux. Mais c'est quoi l'idée, dame des deux Je comprends pas trop. J'aimais bien la dame en C2. Ok, Sky Blues. Oh là là, Sky Blues. Oulala. Là là. Il va gagner autant. L'autre, il craque. Il n'arrive pas à jouer avec pas de temps. Il va gagner. Il va la gagner. Il va la gagner. H5, ça prépare le réseau de maths. Il a pas d'idée en face. 5 secondes. Tour G1. Tour G1, Damachis. Tour G1, allez. Oui. Et fou des 5. La barque est blanche. Allez, let's go. <laughs> allez, fou des 5. Il y a un maths là. Il y a un match de je sais pas où. fou des 5. Let's go Tour G7. Allez, go Quoi Tour G6 Mouse slip Mais non Mais non Mais la barre là Mais pourquoi Mais pourquoi il échange les... Pourquoi il échange les tours là Alors qu'il avait besoin de matériel pour mater, je comprends pas. Oh là là Il a Mouse Slip, je pense qu'il voulait... Qu voulait jouer tour G7. Oh là 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 là. Oh, j'étais sûr. Oh là là. Allez, allez, c'est rien là. Il a toujours l'avantage. Il ne faut pas regarder le passé, il faut regarder le futur. Le passé, c'est fini. Roi E2. Qu'est-ce qu'il fait Roi F1, il va sécuriser le roi. Roi F3, allez, bim Tour prend D6, c'est une menace. Tour prend D6, Dame prend D6, échec et mat. Dame D7, échec et mat. Menace de... Ah euh, mince, il le clou. malin. Oh, c est, c est... Non, 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 ça, ça peut pas être bon. Y'a pas de tour prend cela 6 là Et dame prend des 5 Je peux plus regarder cette partie. Il y a cette tour là, elle me stresse cette tour là, j'ai pas. J'ai peur qui... Non. Joue Joue Mais joue Joue Oui Oui Ça j'aime Ça j'aime voilà, moins de tactique maintenant. On défend la tour, on menace Dame G7. C'est gagnant. Allez. Allez Sky Blues. Oui. Oui. On fait Dame. Oui. On oh, prend la... C'est la victoire. Bravo Sky Blues. Oh là là. Dame D7. Oh. Ah bravo. Ah Sky Blues. Ah oh, mais merci Sky Blues. Je suis tellement fier de toi. Mais quel mental. C'est magnifique. Ah, bravo. Ah, bravo, Skyboosté. T'es le meilleur. T'es le meilleur. Et voilà, le match est terminé. Merci à tous d'avoir regardé ce match. C'était un plaisir. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Et voilà, c'est ce que j'aimerais dire. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. On passe. Allez, on, fait le... on met à jour le score. Et 1-0. C'est parti. Allez, on enchaîne avec une partie entre catégorie 1800-2000 Ganibar qui joue contre Frécinet, Frécinet mais pas celui que vous croyez. On va aller tout de suite aller chercher cette petite partie. Allez Ganibar qui va jouer contre Frécinet, Frécinet mais, mais un Frécinet, un Frécinet un peu moins fort que le vrai. Allez, c'est parti. Bon, on va regarder Ganibar. Ganibar Ganibar Là, là c'est une très bonne dynamique. Là, je le sens bien là. Waouh, ça a déjà commencé. Allez. Allez, gagner Bar. Là, on prend un peu d'eau. Moi, je vous révèle le coaching que j'ai fait. Le coaching que j'ai fait dans le, dans le discours d'avant-match. J'ai dit des choses très importantes. J'ai dit, les gars, je pense qu'il y aura une grosse pression de chaque côté. Je pense que, autant chez nous, que autant chez Joachim, il y aura la pression. Les gens, ils sont pas, ils ont, personne n'a l'habitude de jouer contre, contre des, devant des, mil, des non pas des millions, mais devant des milliers de spectateurs. Et donc, je leur ai dit les gars, la stratégie de notre match, elle est ultra simple. C'est ne cherchez pas à faire la meilleure partie de votre vie, cherchez à faire la moins mauvaise. Parce que c'est ça qui va faire la différence. Parce que tout va se jouer au mental. Et donc si vous faites déjà la moins mauvaise, ça veut dire que vous allez être solide sur vos appuis. Ça va craquer en face les premiers. Donc ça, c'est ma stratégie de match. Je vous la révèle. Et là, là, ça se passe bien. Là, 1-0. Allez, allez Ganimard. Hollandaise. Ouh. Ok, là, je veux l'Hollandaise. C6. Il connaît ses schémas. J'adore. Ça bloque le fou. Prépare 5 la poussée dans le carré magique. On adore. Ok. Fraissiné. qui développe ses pièces. E5. Bim Ça prend le centre. Déjà égal, alors que c'est une Hollandaise. C'est très bon signe. L'Hollandaise a très mauvaise réputation, donc si c'est déjà égal, c'est que c'est une bonne Hollandaise, là. Bon, super. La prépa, elle a bien marché. Bravo à toi, Gannibar. Ok. Génial. Attaque le cavalier. Est-ce qu'il va voir Bah ouais, il est 1800 quand même. Bon, il y, a, il y a le pion en l'air là, il faut faire attention. Gagné barre, défend le pion, ou joue E4. Ou KD7, ou Dame C7, en tout cas, fais fait quelque chose. Défend le pion. Et bah oui, hein. les gens de Mister qui disent c'est une guerre psychologique, tout à fait. Moi, je pense que ce match va se jouer au mental. Et donc, euh, voilà. Il faut juste pas craquer le premier, être solide. Bon, Canibar, il m'inquiète un peu parce que je trouve qu'il réfléchit trop là. Il réfléchit trop. 3 minutes 40. Aïe 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 aïe. Moi les je les connais, hein, les parties comme ça, là ça va se terminer en manque de temps. Gannibar qui va nous faire une gaffe. Ah, là, il y a une minute d'écart, là en blitz, une minute, c'est un pion. Allez, Canibard, là, faut jouer ganibar Canibar, joue quelque chose, s'il te plaît. Voilà Ok, super. Fou D6, c'est pas mal. Prépare Dame E7. Okay, des 7 Allez. Okay, E4. E4, F4, non F4, thématique. Thématique dans l'hollandaise. Allez, joue F4. Surtout, ne joue pas F prend E4. Surtout pas F prend E4, hein. parce qu'après ça améliore le cavalier blanc, le pion E5 c'est un pion isolé, surtout pas F prend E4, ou bien ne fait rien, ok ça va, c'est pas mal du tout ce coup, j'aime bien, ça attaque C4, s'il prend, on prend du fou, c'est pas mal, ah, on a été déconnecté, il faut se reconnecter, hop, on se reconnecte, allez Ok, il a joué B3. Il a joué B3, ok, super. Okay, yeah, si, j'aime bien. J'aime bien, il développe les pièces. Fou B2, ok. Allez, un petit coup de dame 7, s'il te et une tour en D8. On met la pression sur, sur la dame D1, le petit vis-à-vis. Ah, il m'inquiète, il m'inquiète, il joue lentement. Ah là là, il joue trop, lent, trop lentement, Gannibar. Allez, Gannibar, faut jouer un coup. Gannibar Gannibar, c'est un blitz. Ah, il va passer sous les 2 minutes. Il va passer sous les 2 minutes, on a joué que 13 coups. Ah là 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 là, 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 là. Ah, je les connais, c'est parti. Il va gaffer en tête. note En manque de temps, il va gaffer. Dame 8, pas mal. C'est pas mal. Prépare tour des 8 pour le vis-à-vis. -vis. Il joue vachement bien. C'est juste qu'il joue trop lentement. Bon, en enfin, face, ça joue pas super vite non plus. Hein. Allez, 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 allez. Ok, dame 2. Petit tour des 8. Pour prendre la colonne. Petite dame suis, ça peut être possible aussi. Allez. Allez, je suis chaud. Je suis chaud. Je suis chaud, j'y crois. Je suis même allé chez le coiffeur aujourd'hui. Pour ce match. Vous imaginez <laughs> J'ai tout fait là. J'ai fait... Je vais chez le coiffeur. J'ai fait le discours d'avant match à 19h30 on a fait le discours d'avant match pour les motiver là j'y crois à mon équipe j'y crois dur comme fer cavalier c5 j'adore cavalier qui était au bord il est centralisé ça c'est ce qu'on apprend dans mon club si cavalier prend fou prend le fou qui est super diagonal j'aime l'ordi qui dit 0 3 ça va L'écart à la pendule qui se réduit. Ah, là, il y a toutes les planètes qui s'alignent. Allez. Allez, Ganimard. <coughs> Fréciné qui... Voilà, Frécinet qui, qui... Qui passe sous les 2 minutes 30. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Oui. Allez, Fréciné. Continue à réfléchir. Allez, allez, allez. Ouais, Philippe qui dit Comment on est sûr que les joueurs ne regardent pas le live Alors, c'est des consignes qu'on a fait transmettre aux joueurs. Hein. On a vraiment dit aux joueurs Ne regardez pas votre partie pendant le live. On fait confiance à leur bonne foi. Et moi, j'analyse sans, euh, sans, sans les variantes de l'ordinateur. Donc, je peux pas dire grand-chose aussi. Donc, même s'ils regardent le live. Non, mais ils ne doivent pas regarder le live. Ici, c'est un match euh, en pleine loyauté. Pas de triche dans ce match. Ok, il a pris. Ok. Cavalier 4, alors, s'il te plaît. S'il te plaît, ne lâche pas le fou. Ne lâche pas le fou. Allez. Non mais il est 1900. 1900, je m'inquiète pas. 1900, ça va pas lâcher le fou, C5. c 5. C'est pas possible. Quand le match sera entre des 700, là je vais m'inquiéter, mais là, là c'est obligé, il va pas lâcher le fou. Mais Ganibar, Ganibar, Bar. Non, il réfléchit trop là. il réfléch... Fou des. J'aime bien Fou des 4. Centralise le fou. J'adore. J'adore tout ce que fait Bar, J'aimerais juste qu'il le fasse plus vite. Parce que ça va être le money time. Il va manquer de temps. Allez. 0-0. Bar qui est égal. Tout est possible. On y croit. C'est qui contre qui Alors là c'est Fressiné contre Gannibar. Gannibar qui représente mon club. Et Fressiné qui représente le club de Joachim. Ah j'adore Fou prendre des 4. eux prend des 4. Euh, j'adore ça pour les Noirs. Le pion passé, qui est là. Potentiellement C5 après pour avoir le pion passé protégé. J'aime beaucoup cette transformation. Je pense que c'est en faveur des Noirs. Même si l'ordinateur dit que c'est égal, je pense que là ce pion là, c'est un gros atout pour gannibar et Gannibar qui passe à voir la pendule, oui Gannibar qui passe devant à la pendule. Ah Ah j'adore. Là, 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 il y, y a tout là. Il y a tous les ingrédients là. Il y a tous les ingrédients. Allez. Allez, Gannibar. Ah non, il passe derrière à la pendule. Bon, je m'enflamme, je m'enflamme. Allez. S'il te plaît, Gannibar joue. Ganimard. Gannibar, il faut jouer là. Oui, j'adore. Allez. Allez, on va lui promouvoir lui là. Oui. Allez, tour des deux. Tour des deux, on fait tour 8. E8. Tour 8 E8 tour des 8. On s'infiltre colonne E, on s'infiltre en E2. Allez, on prend la colonne. Tour E, tour 8. Tour 8. Allez, Ganibard. Joue non, il va tomber, il va tomber. Ganimard, Mais Ganibar Il fait tout bien, il fait tout tout bien. Il joue super bien. C'est juste qu'il joue trop lentement. Il va tomber. Ok, tour 8, c'est très bien. Oh, J'ai peur du pire là. J'ai peur du pire. Je pense qu'il veut trop bien faire. Je pense que Ganibar veut trop bien faire. Mais les consignes étaient de ne pas jouer la meilleure partie de sa vie. Ne cherchez pas à jouer la meilleure partie de votre vie. Cherchez à jouer la moins mauvaise. Je pense que Gannibar veut trop bien faire. Du coup, il réfléchit beaucoup. Mais il n'a plus de temps. Et voilà. Et voilà. voilà. J'avais dit, j'avais dit, j'avais dit. J'avais dit. dit. Et voilà. Voilà. 15 secondes. Et voilà, 15 secondes. Il n'y a plus le temps de réfléchir. Et ça, ça lâche le pion des trois. C'était pas ça les consignes, Ganibar. Bon, rien n'est joué. Rien n'est joué. Franchement, l'autre il a 45 secondes. Allez, on y croit, Ganibar. On boit de l'eau. Ganibar. Allez, Ganibar. Vous voyez là, il accélère, là, je sens qu'il comprend qu'on ne peut plus rejouer lentement comme ça, là. Allez, on va en e 1 On va en e 1 fou e6, fou h3, tour prend et fait mat. Allez, allez, Ganibar. L'autre qui hésite. Un pion, c'est rien en finale. Oui! Oui, ça joue vite! Allez! Casse blanche faible! Fou E4! F3, pas mal! Allez, tour E1, on s'infiltre! Ou tour E7, je sais pas, on active le roi, roi F7. Joue! part. Oui, tour E3, j'approuve! Allez! Mais joue! Ok, fou F5. Super fou F5. Il contrôle la case d 7. Il empêche la tour de rentrée. Ok, tour d 8. Roi F7. Roi F7. Allez, Roi F7. Ouais, c'est bien, c'est bien. Petit échange de tours. Ok, super. Ça empêche la tour de rentrée. J'adore. Roi F2, la tour qui est attaquée. Oh Tour C2 qui arrive. Il va. Oh Les noirs qui sont peut-être mieux là. Bon, j'assume. Enfin, euh, j'abuse. Euh, A5. A5 idée A4. Oui. J'aime ai, beaucoup comment il joue là. Allez. 22 secondes, 13 secondes. Ça va jouer au mental. Achise, j'adore. Allez. Allez. Fou, oui, oui, on attaque. Yes. Tour C2, peut-être après. Les pions qui sont sur case blanche, ils sont très faibles. Roi F4. Allez. Peut-être un A4. Peut-être un tour C2. A4, oui. Ok, s'il si prend, qu'est-ce qu'il a vu A4, c'était une blague. Bon, c'est pas grave. Tour à 3 pour manger. Oui, j'aime. Il joue vachement bien au final. Hein. Pour un 1900. Oui. On échange les pions. Merci. Ça me rapproche du match nul. Ganibar qui passe devant la pendule. Tour prend A4. Menace B5. Création de plan passé. Le pion C qui. Tour à 5. Le pion. Oh, oh Oui Oui Faut prendre C4. Faut prendre C4. Go Let's go Allez, Ganibar. Yes Joue! <laughs> tour A5. Oh. Non, fais un truc. Joue, s'il te plaît. Calibar. Calibar. Oui, on adore. Allez, fou prend C4. Tour prend C4. Tour prend B7. Et. Ah là... Ah là là, les blancs qui, sont... qui mettent la pression, les blancs quand même. Ah, tour C3. Pas mal, pas mal. Ça crée la distance avec le roi pour harceler avec les échecs. Ah, j'ai peur de roi F5, roi G6. Aïe, aïe, aïe. Aïe, ah, recule très mauvais ça. tour F3, j'aime pas. Ça permet au roi encore d'aller là-bas. Allez. allez, joue 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 joue. Cannibar, Cannibar, Canibar Cannibar, joue. Oui, allez. Finale de tour, finale de tour, c'est jamais fini. Fréciné, il est nul en finale de tour en plus. Allez. Let's go. On échange les, pions, allez. Ah non, il connaît sa technique. Allez, allez, allez. allez Ouais, je suis trop, je suis trop, je suis trop, allez, allez. Ah, oh, c'est matin 5. Oh non, non Oh putain. Oh. Oh. Oh, Gannibard. Non mais c'est pas grave. Je suis fier de toi Ganibar, franchement t'as as, as, Franchement t'as donné ton maximum et t'as eu tes chances à la fin, c'est dommage. C'est dommage. Du, du... Non, je suis fier de toi. Je suis fier de, je suis fier de tous mes joueurs. Dans la victoire ou dans la défaite, je suis fier de toi Gannibar. Et, et, et si ça s'est mal passé, c'est de ma faute. J'assume, je prends mes responsabilités. Et, et je ne dirai pas que t'as mal joué. C est, c est, le coach prend ses responsabilités. Et moi je dis Ganibar, je te serre la main. Bravo. Je suis fier de toi. Et on passe. À la partie suivante. Franchement, Ganibar, bonne partie. Allez, malheureusement, il faut mettre le, le score à jour. Donc, euh, ok, un partout. Julien Song, Joachim Mohamed, un partout. Et voilà. Et voilà. C'est parti pour le match qui... Qui, qui. Ça va être un suspense incroyable. Ok, allez, on, on passe à Steve O. Steve O, allez, Steve O. Euh, je, je pense que c'est un très bon joueur. C'est l'un de nos meilleurs éléments. Et je pense qu'il y, y a de grandes chances qu'il qu qu remporte la partie. Notre ami Steve O. Alors, attends, je le retrouve pas, par contre. Notre ami Steve O. Où il joue contre Abba Olive. Alors, j'ai peut-être aller chercher Abba Olive. Alors, Abba Olive. Ah, ils n'ont ils pas encore lancé la partie. Allez Bon, ça nous permet de respirer un petit peu. Ah non, ça, c'est pas la partie que je veux voir. Hop. Un partout, balle au centre. Et ça y est, c'est parti, ils ont, ils ont joué. Allez, Steve Ho, c'est l'un de nos meilleurs éléments. Hein, il est très très bon euh, lors des entraînements. Euh, toujours performant en sélection. Dans les matchs amicaux euh, contre les autres, toujours au rendez-vous, Steve Ho. Donc euh, moi j'y crois dur. J'y crois dur à Steve O. Je pense qu'il est sous-classé. Et donc euh, ça va bien se passer, je pense. Là j'ai confiance. Ok, c 4, ça prend le centre, ça attaque la dame. Ah, échange de dame direct. Ok. Comme tu veux, Steve. On peut pas faire de gaffe là. Ok, deux 2, pas mal. Développe les pièces. Un peu d'eau. Trop de pression là, un peu d'eau. Et oui, Aliel qui dit Julien est très positif. Ben oui. Je pense que. Je pense que, je pense que le coach doit assumer. Le coach doit assumer. Hein. On peut pas féliciter les joueurs quand ils gagnent et dire que c'est de leur faute quand ils perdent. Non, on assume les victoires et les défaites. Donc moi je dis qu'Anibar, c'était très bien. Ok, fou B2, super, on empêche le foot de se développer sur la grande diagonale, j'adore. Tour G8, seul coup. J'aime beaucoup les blancs ici. Oulala, là là, oulala, là là, ça manque de confiance en face. Ça a beaucoup hésité là pour F6. F6 un peu bizarre, je trouve. Peut-être ça vaut le coup de garder les dames. Non Avec le F6 qui a été joué, hein, vu que. Ok, petit rock, pourquoi pas? C'est pas mal aussi. 1700, ça joue bien quand même. 1700, on est déjà dans le top quoi. 5% des meilleurs joueurs sur Chesscom. Donc c'est quand même la crème de la crème là qu'on a hein, ici. Ok, petit rock, c'est pas mal. Ça met la pression ces deux dames qui se regardent comme ça depuis trois quatre coups. On est un peu dans une tension. Là, on sait pas ce que la position va devenir. Est-ce que ça va être une finale, un milieu de jeu Ok, tour E1, bon bah qui échange <laughs> Bon, ah, voilà, il y a enfin l'échange. Bon, on prend de F ou de D, c'est la fameuse grosse question. J'aurais plutôt pris de F hein, pour ramener davantage de pions au centre, mais ça va. Allez, on prend la colonne, petit tour D1, s'il te plaît. Petit des 4 c'est pas mal aussi, centraliser le cavalier, attaquer le fou. Le fou G7, il est pas terrible hein, derrière le pion. d 4 super. Ok. Après, comment on peut jouer Peut-être un petit C5 fou C4. Ah, fou c... Oh C5 fou C4. S'il si trouve C5 fou C4, c'est le meilleur. C5 fou C4. C5 fou C4. Ça améliore le fou. C'est le super coup cool là à trouver. C... Il peut le faire au coup suivant. Allez, Steve. C5 s'il te plaît. Et fou C4. Et après on a un cavalier en E6. Et là c'est grosse domination. Allez, Steve, tu peux le faire. C5 s'il te plaît. Et fou C4. Steve. Allez, Steve. Non C'est pas mal. Mais C5 fou C4, c'était vraiment le coup qui tue, là. Tour des deux, c'est pas mal. Mais la colonne, elle est pas mal bouchée, là. Donc, c'était peut-être pas le mieux à faire. Allez, C5 fou C4. C5 fou C4. Non Allez, au coup suivant, il va le faire. Il va jouer cavalier à 6, l'autre pour attaquer le pion B4, on va jouer à 3 pour défendre le pion B4. Et après, on fait C5 fou C4. Allez. Attention, cavalier à 6, il peut tomber dans le piège. Cavalier à 6, il y a peut-être cavalier prend C6. Avec le fou des 7 qui est en l'air. Ça, c'est un piège dans lequel il peut tomber facilement assez... Euh ah bah Olive, cavalier A6, il y a peut-être du cahier prend 6. C'est un petit piège. Ça peut faire mal. Ou même cavalier A6, il y a peut-être du cavalier E6. Aïe aïe aïe. Il peut grave tomber dans le piège. Ça a l'air hyper naturel pour un humain de développer le cavalier B8. il y a peut-être une tactique qui se balade ici avec cavalier e 6 cahier prend 6. D'ailleurs, cavalier E6, c'est une menace ici. Attention. Cavalier E6, c'est une menace. Allez. Allez, il va trouver cavalier E6. Yes Allez, on y va. Cavalier prend C6. Ouais, et la barre qui monte comme ça, c'est le signe que l'intuition est bonne. La tactique doit marcher. Cavalier prend C6 ou cavalier E6. Allez, allez Steve, allez Steve. Steve. Steve, tactique. Signe faible. On a travaillé en entraînement les signes aux faibles. Steve, durant tous les trips d'entraînement là, on n'a pas fait les vis-à-vis -vis pour rien. Là, il y a le vis-à-vis, -vis, il est énorme. La tour des 2, la tour des 8, le vis-à-vis, -vis, il est là. Et qu'est-ce qu qu'on fait quand il y a le vis-à-vis -vis On vient, euh, le, la pièce au milieu qui est clouée, on vient sur les cases à côté parce que la pièce clouée ne peut pas vraiment défendre ce qu'elle prétend défendre. Yes Oui Je vous ai dit, dit c'est le meilleur élément. Steve, magique. Bravo Steve. Ah, j'ai prédit le truc là, je suis content. Ok, Cavalier prend 18 intermédiaires. Oh là là, qu'est-ce qu'il nous fait là Qu'est-ce qu'il nous fait là il, il, il joue à 2000 elos là, Steve. Ah, c'est magnifique. Ça, c'est des échecs. Une minute d'avance à la pendule en plus. Allez, tour prend B7, on se régale. Ou tour prend B2, comme tu veux, Steve, régale-toi. Allez, oui. Oui, on remange. Kay prend B4, tour prend B7. Allez. Allez. Je suis très fier de lui. Parce qu'on a, on a entraînement, on a beaucoup vu les signaux faibles tactiques. Là, il y avait un gros vis-à-vis -vis, là et il a sorti le cavalier e 6. Ah oh là là. Ça, c'est les champions présents lors de l'instant T. Enfin, vous avez compris. Tour prend 7. Je suis un. Ok, 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 ok. Bon, peut-être qu'il va enfin nous jouer le C5 ou C4. Oh, merci à Bastos, Selmar. Qui a balancé 10 euros. Merci à toi, Bastos. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça sur YouTube. Merci, c'est très sympa à toi. <laughs> Merci beaucoup. Allez. Oulala, je, je commence à prendre goût au stream. Je pense que je vais streamer plus souvent. Allez, non mais allez, Steve, je suis très Bon, maintenant, c'est qu'une affaire de technique, comme disent les grands maîtres. Alors là, je pense qu'il a envie là, du C5 fou C4 parce que, en, en plus, il y a la tactique. Ok, ouais, et, ouais. Et il ouais. et y a As7 qui va tomber. Il y a 7 qui va tomber. C5 fou c4. Let's go Let's go zéro contre jeu. Allez, on prend l'avantage de 1. Bon, faut pas trop que je m'excite. Hein. Souvent je fais ça pendant mes parties en compétition. Je m'imagine déjà dans la victoire et c'est là où je fais une gaffe. Donc on reste concentré, Steve. Allez, C5 fou c4. <laughs> il veut pas le jouer. Fou F3. Fou F3. Il est 1700 quand même, il va voir que le fou est en l'air. Elle fou F3 Yes Allez, le pion qui tombe. Le pion qui tombe. si joue C5, il va y avoir du fou des 5 ou quelque chose comme ça. On adore. Allez, Steve. Oh là là, oh là, là. quelle classe Quelle classe ce joueur Deux minutes d'avance à la pendule. Oh là là là, ça c'est le talent ça. Ok, là il faut activer le roi. Un petit G3, Roi G2. <coughs> Création de deuxième faiblesse aussi, c'est pas mal. Avec un H4, H5, peut-être. H3, hmm, hmm, je suis pas trop fan. C'est pas mauvais. Peut-être pour G4, il veut jouer. Ah, il veut peut-être jouer G4. Hmm, c'est pas mal. Peut-être pour jouer G4, j'ai pris un F5, j'ai pris un 5 crée la faiblesse en F5. Karpov, c'est Karpov. Steve, c'est Karpov. S'il joue G4, j'adore. Allez. Allez, Steve. Olive qui se bat. Mais l'issue est, euh, est déjà connue. Allez, G4. G4, Steve. C'est ça ton idée. Non G... bon, ok, Roi F1. Ça active le roi, pourquoi pas. Roi E1, Roi D2. Roi C2, Roi B3, Roi A4, Roi B5. C'est peut-être ça son plan. C'est pas mal. On a vu ça en entraînement. Activer le roi en finale. Trouver la petite brèche pour rentrer dans le camp adverse. C'est pas mal du tout. Là, je pense que la bonne technique, c'est de pas s'enflammer. Ça, c'est le genre de, de position où c'est gagnant et y, y, pas besoin de, de, de se lancer dans un truc compliqué. Il faut juste petit à petit améliorer et ça va tomber comme un fruit mûr en face. Et voilà, voilà. En face, ça s'enflamme, il, il pousse ses pions, mais il faut pas pousser les pions sur l'aile où on a une minorité parce que ça aide l'autre à créer un pion passé. Donc en fait, là, il aide Steve à créer un pion passé. Ça va pas trop. Allez, g3, f4, création du pion passé, quelque chose comme ça, s'il te plaît. Ouais, allez. Le fou qui s'en va, un petit fou c6 pour libérer le passage. Ensuite un petit f4 pour créer le pion passé. Roi d2, pas mal aussi. Le roi qui s'active. Ah oh là là, c'est beau ce qu'il nous fait là, Steve. J'ai senti, j'ai senti c'est ce joueur l'or, leur... waouh, tu es moche tu es moche qui, qui balance 5 euros merci à toi, merci à toi, ça fait plaisir non mais j'ai senti dans le, le discours d'avant-match que j'ai fait à 19h30, j'ai senti que Steve, il était serein il y avait d'autres joueurs qui posaient des questions et tout bien sûr je réponds, normal, Steve c'était la force tranquille, zéro question on, sentit, on sentait qu'il était déjà prêt mentalement, et là il nous délivre une prestation, c'est magnifique c'est vraiment magnifique. Je pense qu'il a sorti sa meilleure partie lors du match le plus important. Moi, par exemple, c'est toujours l'inverse. Moi, je sors toujours mes meilleures parties en entraînement et mes pires parties en compétition. Et bien bah, Steve, c'est l'inverse, j'adore. MVL, il avait, il avait fait une interview et il avait dit à MVL, moi, je sors mes meilleures parties en compétition et mes pires en entraînement. Et eh bah ben, ça c'est la marque des champions et Steve il nous fait la même. Des fois en entraînement c'était un peu moins bien et là lors du jour J, lors du match, ça sort son A-Game, j'adore. b 6 Fou E6, le cavalier, ok. Bon euh, Steve, F4, création du pion passé, on a vu ça, majorité, 3 contre 2, on pousse. Et voilà Et voilà ça crée le pion passé Merci à Tissam qui nous a envoyé des dollars canadiens. Ah, C'est des dollars canadiens, ça, non Eh oui, je dis bonjour à la francophonie. Bonjour. Euh, euh, bah oui, bah oui, bonjour à la francophonie. C'est un plaisir euh, d'avoir euh, pas que des Français qui nous regardent. Quand j'avais fait le tournoi de Bienne en Suisse, il y avait pas mal euh, de Suisses qui étaient venus me voir. Ça fait, ça fait très plaisir. Merci à toi, Tissam. Allez oui, tout f 7. Alors là, j'ai juste peur qu'il. Y... J'aimerais pas qu'il se prenne un patte, là. S'il te plaît, évite les pattes, Steve. Allez, allez, allez. Ok, F6. J'ai un peu peur du cas. Ok, allez. M'attends 2, m'attends 2. Allez, m'attends 2. Oui Fou 4 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 Oui Allez, fou 4 Steve Fou 4 C'est maintenant 1 là Oh C'est pas grave, c'est pas grave. C'est plus 10, c'est pas grave. En plus, l'autre, il a 5 secondes. C'est pas grave. Yes! Tour G8. Tour G8. Yes! Et cavalier F8. Oh! Regardez, regardez. Roi Hachette Et cavalier. Non, promotion cavalier. Et Chekemath. Oh, ça aurait été magnifique comme fin. Malheureusement, Abba Olive qui l'a pas laissé faire. J'aurais trop aimé savoir si Steve, s'il avait, avait fait cavalier, promotion cavalier. Ça aurait été incroyable. Mais on adore et on prend l'avantage à nouveau dans ce match 2-1 et voilà 2-1 le club qui reprend l'avantage sur celui de Joachim et c'est parti tout de suite pour le prochain match on aura ici ah ouais alors lui lui c'est une pépite là on joue Mathieu Mathieu qui se présente Mathieu un de nos meilleurs éléments Mathieu qui qui est très jeune qui est très très jeune et qui a un gros espoir du club il, il su performe super bien lors des tournois hebdomadaires. Mathieu, je suis. Allez, allez, on y croit. Allez Mathieu Mathieu qui nous vient des Pays-Bas Allez. Mathieu, c'est un petit jeune. Il, est, il joue super bien. Il joue super bien. Alors, waouh Ça sort la prépa. Franchement, pour des 1500, ça connaît super bien la théorie. Mais moi je connais pas cette théorie, je joue jamais la sicilienne, mais je sens que c'est théorique. J'adore. Allez Mathieu. Cavalier E6, ok. Mathieu sous-classé, je pense. Hein. Mathieu c'est... Il va aller loin ce petit, je pense. Allez, Cavalier e 6, un peu bizarre quand même, non Peut-être qu'il veut jouer des 6 et qui 5 après. Peut-être ça son idée, mais là je suis super vite, je pense que c'est une prépa. En tout cas, je suis assez content de mes joueurs. On sent qu'ils se sont préparés. On, ils avaient les appareillements deux jours avant. Et euh, franchement, ils au rendez-vous. Ils ont fait le truc avec sérieux. Tout le monde était là lors, euh, lors de, du discours d'avant-match. Donc euh, ça fait plaisir. Et j'espère que, que tout ce travail va payer. En tout cas, je crois en eux. Et même si, même si on ne gagne pas ce match, je serais fier d'eux. Allez, Mathieu. Sors le foussé 8. J'adore. Ouais Christian qui dit on veut tous un steep dans notre équipe EV", et bien exactement Alors H4 Ouh là, là, là H4 Ah ça peut mal finir cette histoire là H4H5 H prend G6 fou H6 fou prend G7 dame H6 dame H8 ah là, 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 là. Ça peut mal finir cette histoire Allez Mathieu Je comprends rien à la sicilienne moi j'ai jamais joué ça Qu'est-ce qu'il faut faire dans le chat Aidez-moi dans le chat. <laughs> enfin l'air germain qui veut rejoindre le club. Eh oui, c'est le transfert du mercato. C'est le mercato là. C'est un footballeur, non <laughs> Allez. Allez, b6 fou b7 peut-être pour attaquer E4. Mettre la tour sur la colonne C, attaquer le pion C4. Une faiblesse chez les Blancs. KSC5 ça peut être pas mal aussi. Pour améliorer le cavalier, ouvrir la diagonale du fou. Allez, 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 allez. Allez, Mathieu, ne nous, nous, nous fait pas une gani s'il te plaît, Mathieu. Et, ah là là, là, là il, réfléchit, il a réfléchi une minute, là, franchement, une minute. En blitz, c'est 20% de son temps qu'il vient de dépenser là pour ce coup. Il n'a pas encore décidé. Ah, J'ai peur qu'il stresse un peu, Mathieu, là. J'ai un peu peur qu'il stresse. J'ai un peu peur qu'il veut trop bien faire. Il veut trop bien faire. Peut-être qu'il réfléchit beaucoup. Peut-être qu'il veut pas décevoir. Mais du coup ça, ça, ça a tendance à paralyser quand on veut trop bien faire. Lâche les chevaux Mathieu. Fais-toi confiance. Il est là, il est là au stream, il est là aux entraînements, il est là au tournoi, il travaille dur. Quand il y a le travail, on peut faire confiance à son intuition. Donc fais-toi confiance, Mathieu. L'intuition, ça tombe pas du ciel. C'est le fruit du travail. Donc fais-toi confiance. Joue plus vite. B6. L'ordinateur aime pas trop. Mais bon. Moi je ne suis pas expert de la sicilienne. B6, pourquoi pas. On, a, on active le fou en B7, ça attaque le cadre. Allez. Est-ce que vous voulez que je retourne l'échiquier J'ai l'impression qu'on veut que je retourne l'échiquier. Vous voulez la vue côté le joueur. Est-ce que vous voulez la vue toujours avec les blancs Ou est-ce que vous voulez la vue côté joueur euh, de, de mon club Allez. En face aussi, c'est un, un peu... Ouh J'aime pas du tout ce grand rock. J'aime pas du tout le grand rock. J'y crois pas trop à ce grand rock. Je trouve que le roi, il est un petit peu faible, là. J'ai l'impression qu'on veut que je retourne. Allez, on retourne. Allez, c'est parti. Bim Allez, allez Mathieu. Oui Vis-à-vis, vis-à-vis. Allez. Ouh, F prend G6, on sent l'expert. Ça c'est un coup d'expert ça. F prend G6, ça ouvre la colonne pour la tour. Fou H6. Tour prend F2, il y a pas F2 en l'air là. F2. Tour prend F2. Tour prend F2. Fou prend G7. Cavalier prend G7. Dame H6. ouah c'est un peu chaud. Il y a H7 qui va tomber. Ne, ne prend pas en F2. Prends pas en F2, Mathieu. Prends pas en F2, Mathieu. Allez, allez, allez. Allez, allez, prends pas en F2. Oh! Pourquoi il ramène la dame Pourquoi il aide Non, j'aime pas du tout. Il aide, il aide la dame à venir en attaque là. C'était pas nécessaire ça. Ah, Peut-être qu'il veut prendre de la tour l'autre. S'il prend de la tour, c'est pas mal. Allez Mathieu, allez Mathieu, allez Mathieu. Dame prend h6, faut jouer absolument tour f7, faut défendre h7. Allez. Ça hésite en face. C'est bon signe, ça. Je pense qu'en face, c'est un, peu... un, peu... un peu mou du chenou, là, en face. S'il hésite sur euh, tour prend un 6 ou dame prend un 6, ça veut dire qu'il n'est pas confiant. Parce que là, normalement, c'est un coup qu'on joue assez automatiquement, dame prend un 6. C'est un peu hésitant en face. On a une opportunité, Mathieu, là. Allez, tour F7, tour F7. Allez, tour F7, s'il te plaît. Tour F7, on défend H7, s'il Mathieu. Il n'y a... a pas à réfléchir, c'est le seul coup. Oui. Ok, super. Dame F8, ça peut être un très bon coup, ça. Dame F8 pour échanger les dames, diminuer la pression sur le roi noir. Allez, allez. Mathieu qui, euh, qui a 40 secondes à la pendule, comme avantage. J'adore. J'adore, j'adore. Mathieu qui se réveille, là. Je pense qu'il était un peu frileux. Enfin, <laughs> pas frileux, mais je pense qu'il était un peu hésitant au début. Ouh. Aïe. Ça, ça fait mal. Ah, Fouger 4, ça fait mal, ça. Fouger 4, dame D7. Il perd pas de pièces, mais euh, ce clouage est ultra désagréable. Il faut que 4 c'est bien joué. Hein. Allez, Mathieu, Mathieu, Mathieu. Il n'y a pas le choix là. Il faut jouer. Euh... Allez, on a été déconnecté, on, on se reconnecte. Mathieu, quand je me reconnecte, je veux que tu aies joué Dame des 7 et assez vite s'il te plaît. Oui, Mathieu, oui, Mathieu, c'est ça. Et il l'a joué vite. Oh la barque est toute blanche Ok mais je vois pas la tactique. Si moi je vois pas la tactique, euh, peut-être que Brimstone il va pas la voir aussi. C'est quoi la tactique y a pas de tactique là Je comprends pas. Y a pas de tactique Oh Damage 3 Oh Damage 3, c'est game over oh Non 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 Il va pas trouver, il va pas trouver Il va pas trouver, c'est super dur comme coup. Super dur, super dur pour 1500. Reculer la dame et tout, c'est pas possible. Il va pas le trouver. Il va pas la trouver. Damage 3, c'est super dur. Allez, 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 Yes Yes, il l'a pas vu. Et voilà, la barque est noire, j'adore. Allez. Bon, là, là, il faut, il faut s'enlever de ce clouage. Là, c'est hyper désagréable. Match je trouve quelque chose. Comment faire Tour prend C4, peut-être. Tour prend C4, c'est pas mal. Ah mais tour prend C4, il y a encore damage 3. Ah, damage 3, fou C8 Magique et ça défend E6. Oh, quel génie ce Mathieu. Tour F3. Ah, oh, c'est chaud la tour F3. Ah mince. Il va échanger la tour, rentrer en achète. Ça a l'air perdant. Lordi qui dit que c'est pas grave. Mais je vois pas le coup. Je vois pas la défense. C'est quoi la défense Si dame E8, fou prend E6. On perd une pièce. Comment on défend Tour G7 Tour G7 Allez, Mathieu, tu peux trouver tour G7. Tour G7. On garde les tours, on défend H7, a... c'est pas grave. Allez, Mathieu, tour G7. Tour G7, Mathieu. Mathieu, tour G7. Tour G7, tour G7. Tour G7. Tour G7. Tour G7. Mathieu, tour G7. C'est le seul coup, Mathieu. Mathieu, tour G7, c'est le seul coup. Sinon, tu te fais mater. Sinon, tu perds ta tour. Plus personne ne défend, achète. Dame, Dame prend, achète. Yes, c'est un champion oh yes Ah, yes Je vous ai dit, c'est le meilleur entre nous. Oh là là, ça, ça j'adore. Franchement, là, il nous trouve des trucs. Tour G7, super dur à trouver. Euh, franchement, Mathieu, j'adore. Tour G7, pourquoi c'est dur à trouver Parce qu'il faut mettre volontairement sa tour sur une colonne fermée. C'est vraiment pas naturel. Mais c'est la marque des grands champions. Mathieu, j'adore mes joueurs qui sont là, présents. Lors de ce grand moment ultra stressant et qui répondent présent alors que tout est fait pour craquer lors de ce moment clé. J'adore. Bravo, bravo Tour G7. Pfff. Allez, 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 allez. Une minute d'avance. Une minute d'avance à la pendule. On adore. Le seul petit souci là qui me fait un peu peur, c'est ce cavalier en E6. Allez, fou C8, fou C8. Fou Mathieu, fou c Mathieu, fou c Mathieu. C'est le seul coup. C'est seul coup, Mathieu. Mathieu, 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 fou C8. Fou C8. faut, C8. faut défendre le cavalier 6 Allez, Mathieu. Franchement, s'il trouve tour G7, obligé, il trouve fou C8. Obligé. 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 Aucun suspense. Obligé, il trouve fou C8. Pourquoi, pourquoi il réfléchit, c'est le seul coup Allez, Mathieu, 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 Mathieu. Foussé 8. Yes! 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 Non, je, je, en, fait, en fait, moi je pense que Mathieu il va l'emporter. Okay, ok, la barre elle est blanche, mais euh, c'est beaucoup plus dur à défendre une position mauvaise que de gagner une position qui est bonne. Donc Mathieu, depuis tout à l'heure, il nous sort des coups assez exceptionnels, des Only Moves. Et pour un 1500, c'est assez incroyable ce qu'il nous sort là, Mathieu. De euh, toute façon, je vous l'ai dit, hein. Jeune espoir, il travaille dur. Il n'y a pas de raison qu'il ne remporte pas cette partie. Il, pré il est présent au rendez-vous. L'autre, il va tomber au temps. J'adore. Il la mérite. Et voilà, E5, ça craque. E5, voilà, voilà, la barque qui devient toute noire. Allez, Mathieu. Je sais pas, là, on peut croquer, non On croque. Croque, pion de plus. Quelque chose comme ça. Ou D5, peut-être D5, D4. Cavalier qui est cloué. Allez Mathieu, allez, les Mathieu, allez Mathieu, zéro avantage noir, mais ça veut un peu rien dire, hein. franchement je m'enflamme un peu, La position qui est compliquée, ça peut basculer quand même d'un moment à un autre, Mathieu qui hésite, qui okay, prend, j'aime, c'est pas mal. Tour D1, tour D1, c'est peut-être une menace, mais tour D1, il y a probablement tour D4. Tour D4, j'adore. Ça vient fermer la colonne D. Oh là 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 Ce génie, ce génie, j'adore Allez, ça va tomber autant, ça va tomber autant Ah Ok, super. Là, oh là 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 là. La finale, elle est meilleure pour les noirs, aucun risque. Beaucoup, beaucoup. Franchement, Mathieu, il est hyper jeune, mais dans la façon dont il joue, on a l'impression que c'est un peu un grand maître. Euh, parce qu'il défend des positions difficiles. Ouf, il transpose en finale gagnante. Moi, euh, quand j'avais 10 ans, euh, je jouais pas comme ça. Hein. <laughs> ok, allez, c'est gagné. Yes, Mathieu. Ouais, peut-être je m'enflamme, mais euh, là, je vois pas trop, Mathieu, comment ça pourrait. Euh... Allez, on se fait un petit tour F7, tour prend F3. Allez, tour prend F3. La classe. Tour prend F3. Tour prend F3. Tour prend F3, Mathieu. Allez, la classe. Ah, oh, dommage. Tour prends f pour la finale de pion gagnante, ça aurait été tellement classe. Ah dommage. Ah dommage. D3, D3, D3. Allez, D3. Oh. D3, va prendre D3, E4, Fourchette. Dommage. Ah il est un peu timide là dans la, dans la transformation, euh, Mathieu. Ah il, pourquoi, je, ah il est un peu hésitant. J'ai peur que. J'ai peur qu'il qu voit déjà la victoire et que du coup... Et que du coup il panique un peu, notre ami Mathieu, il passe sous les 20 secondes. J'ai l'impression qu'il est en train de paniquer. Allez, allez, rentre, rentre. Oui, la seconde rangée. On a vu ça en cours. Tour 2. De Bim. Tour 3. Allez. Tour 3. Tour 3 s'il te plaît Mathieu. Yes. T3D2D1. T3D2D1. Allez, allez, allez. T3. Allez, allez. T3D2D1. Oh le gourmand. Oh le gourmand. Oh là, là là il lui laisse rien, il lui laisse rien, Mathieu, c'est un killer et il prend j'ai oh oh ah oh, putain j'ai eu la peur de ma vie là oh, putain! j'ai dit un gros mot. c'est interdit sur youtube. ah, oh. Oh, j'allais faire une crise cardiaque. et c'est la victoire. bravo, mathieu! je suis fier de toi. Oh là là, quel génie J'adore. Et en plus, il joue avec nos émotions. Il faut pas faire ça, Mathieu, s'il te plaît. Arrête, faut arrêter les de donner les tournes, comme ça, avec des fourchettes. Plus jamais, Mathieu, s'il te plaît. Mais, euh, mais bravo à toi. Je suis très fier de toi. Heureusement que il avait 10 000 pions d'avance. Allez. Wow, j'ai trop d'émotions. Là, 3 à 1. Je... Si la prochaine partie, elle, elle est décisive. Si la prochaine partie, on l'emporte, le match, il est plié. Il est plié le match. Si on remporte la prochaine partie. Allez, on va regarder tout de suite le prochain match. Et on voit Katasumuri Kata qui va entrer dans l'arène et qui va affronter Fertichou. 32-32. Un match très serré entre 2 Là, ça va commencer à partir un petit peu en vrille. Le niveau qui va commencer à baisser. Ça va être de plus en plus difficile à regarder avec sûrement beaucoup de rebondissements. J'ai un peu peur. Ça peut, le match peut se renverser à tout moment. Et à, à n'importe quel coup aussi. Alors, on va chercher la partie suivante. Allez, ça, allez ça, ça a commencé. C'est parti. Katasumuri qui se présente et qui joue contre Fertitou. Waouh, Fertitou qui est étonnamment euh, 800, euh, 800, 828 ELO. Ok, bon, sur la feuille de match, Fertitou hein, qui était présenté comme un, euh, comme un 1200 hello. Donc, euh, je pense qu'il est plutôt 1200 et que c'est lié à la cadence de jeu qui a été sélectionnée. Et qui fait que euh, il est 800, mais euh, c'est bien à 1200 normalement. Allez, petite Scandinave, très bien. Allez, ce match est décisif. Cette partie est décisive. Si on l'emporte, le match est plié. Si on l'emporte, ça fait une Carlson Nepo. Et le match est plié. Cavalier au 5, j'adore, Ça menace, vous prend F7. Dame 2. Excellent. Fou prend C2, Cavalier prend F7, non j'abuse. Peut-être un grand rock qui arrive. à Soumouri qui est dans ses schémas. 4 minutes 52. Il a, il a travaillé aussi notre ami. Allez, grand rock. Après on balance F3, G4, H4, H5. Et c'est mat. Super. Allez, petit rock en face. Ça va faire un F3, un G4, un H4. Ça va mater Salement là. A5. A5, c'est malin. G4. C'est parti, c'est la fête. Plus 1.7. L'ordinateur qui adore. Allez. Ouf, trop d'émotion, là. Trop d'émotion, ce match. Mathieu, là, qui m'a. Allez. Oh Ça donne une pièce. qu'il prend G4. Ça donne une pièce, là. Qu'est-ce qu'il a vu B5 Non, il n'y a pas d'idée. Il n'y a pas d'idée. C'est la pièce. Ça craque en face. Je l'ai dit à mes joueurs dans le, dans le discours d'avant-match. J'ai dit ce match, il y a beaucoup de pression. Vous allez jouer devant des milliers de personnes. Je leur ai dit ce qui compte, de c'est pas de faire votre meilleure partie. Ce qui compte, c'est de faire la moins mauvaise. Tout va se jouer au mental. Et je l'ai prédit en face, ça craque. Ça joue K et prend G4. Ça perd une pièce. Allez, on adore. Et ça revient en E5. Merci. J'adore. Ok. Katasumori, euh, on l'a vu en entraînement. Quand on a une pièce de plus, on échange les pièces, on rentre en finale et, et c'est plié. Ouh, petit rock, c'est gourmand ça. Tour G1, un petit tour G1. Un petit mat en G7, ça va arriver assez vite ça. Allez. Fou D3, pas mal aussi pour échanger le défenseur. Ou un tour G1. Allez, tour G1. Oui! C'est ce qu'on a vu. On met les tours sur les colonnes semi-ouvertes. On adore. Allez, allez, allez. Petite, petite, euh, un petit doublon après. Hop. On double les tours colonne G. On m'attend G7. Une minute de puce à la pendule. Ouh là, 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 là. En face, ça doit faire grise mine un peu. Hein. Bon, allez, on reste concentré parce que. Oh! Wachis, la masterclass! J'adore! J'adore. Katasumori. J'adore. Allez. Oh Foux 6, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt pour fou 6. Trop fier de mes joueurs. Trop fier de mes joueurs. Bravo à eux. Euh, bravo. Il faut continuer. Il faut continuer. Il faut pas baisser les bras. Il faut pas, il faut pas croire que c'est gagné. Allez, on prend la qualité. Let's go des trois, non peut-être pour échanger ce fou là qui est, qui est quand même pas mal. Alors Yaiko qui dit en fait les joueurs de Julien sont sous-classés. Non, ils sont juste bien entraînés. Bah oui, j'ai présenté ma meilleure équipe. J'ai fait un tournoi de sélection. J'ai fait un, un, fait un tournoi de sélection avec 50 joueurs du club et on a 100 et, et, les, et les 8 joueurs les mieux classés dans leur catégorie, dans le tournoi de sélection. Peuvent représenter le tour, euh, les, euh, le club lors de ce match, et donc voilà, c'était une, un procé une procédure très exigeant pour pouvoir représenter le club aujourd'hui. Et donc, euh, ils méritent leur place, c'est les meilleurs du club. Et, euh, et aussi, voilà, c'est des gens qui sont là dans le club depuis plusieurs mois, ils s'entraînent dur et c'est le fruit de leur travail. Donc, bravo à eux. Allez, H4, yes, H5, h Dame prend H5, vas-y, dame prend H5. Dame prend H5. Let's go. Dame prend H5. Ou cavalier prend D7, dame prend D7 et dame prend H5. Let's go. Allez. On a vu ça, vis-à-vis -vis tour roi, le pion qui est cloué donc défend pas réellement H5. Dame prend H5 du coup. On l'a vu. Yes Et dame prend H5. Masterclass. Dame prend H5. Let's go. Go. Go Allez Cavalier 4, j'aime bien aussi, parce que potentiellement fourchette, c'est pas mal. Je valide aussi. Katasomori. Question de goût hein, quand on a autant de matériel en plus. Ah, on me dit, est-ce que c'est un club virtuel ou réel? Bah c'est les deux. Hein. On, se, on se voit aussi une fois par mois en présentiel à Paris. Pour un stage le matin, tournant l'après-midi. Allez, Cavalier F6! Ok, Dame 7 ça joue bien en face. Allez, KSG3, on va, on va éliminer ce fou quand même. KSG3, Kali KG prend F5. Ou fou D3, c'est pas mal aussi. Dame prend H5, qu'on évite maintenant, hein, parce qu'il y a le cavalier qui est en l'air en E4. Mais on fait confiance à Katasomori, qui nous propose une très très belle performance aujourd'hui. Ah, on me dit que Joe est dégoûté. Eh bah ben, oui. À charge de revanche, Joe. À ta santé, Joe. <laughs> bon, faut pas que je m'enflamme. Le match est pas fini. Ok, KG5. KG5, je suis pas trop fan. Je sais pas trop ce qu'il veut faire. Moi, je pense qu'il faut éliminer ce fou F5 qui est très très dominant. Qui défend comme ça ses pions G6, E6 de façon très solide. Je pense qu'il faut absolument éliminer ce fou avec fou D3. Fou prend F5. Tant qu'il élimine pas ce fou, il va pas réussir à rentrer dans, dans le camp adverse. Allez, fou D3. Katasumuri. J'adore son pseudo. J'ai l'impression de commenter un match de, de Jujitsu. Allez, Kata Samori. Kata Samori. Roi B1, Prophylaxie, j'adore. Oh là là là, ça s'enlève du signal faible. Excellent coup. Très très bien pour un 1200, on adore. Cavalier qui est libéré du coup. J'aimerais juste qu'il joue Fou D3, Fou prend F5. Ce serait vraiment ma seule volonté. C'est le plan gagnant, je pense. On me dit attention à la remontada. Oui, mais on n'est pas le PSG ici. Il n'y aura pas de remontada. Fou D3, fou prend F5. C'est plié. Fou D3, allez. Bon, là, je pense qu'il aura encore plus envie de je Fou D3. Vu que c'est attaqué par la dame. Fou des 3 fou prend F5. Allez, Katosomori. Fous des trois, stop les j'aime pas trop comment il joue là parce que la stratégie normalement quand on a une tour de plus c'est de changer toutes les pièces. A la fin vous restez avec une tour de plus contre zéro. Qu'est-ce qu'il fait Mais qu'est-ce qu'il fait Mais qu'est-ce qu'il fait Mais qu'est-ce qu'il fait Tour 8 là, tour 8. Qu'est-ce qu'il a prévu il perd une pièce, là Il perd une pièce, tour E8 Oh Oh là 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 Non Non Non, non J'ai dit dans le discours d'avant-match Dans le discours d'avant-match, j'ai dit On n'est pas là pour jouer la meilleure partie de sa vie Cavalier prend E6 C'est trop flamboyant C'était pas la stratégie d'avant-match Il a voulu trop en faire On avait dit solide sur ses appuis dégoûté quoi allez on met le score à jour 3 2 c'est pas grave j'ai des très bons éléments qui vont suivre sébastien qui est un grand espoir du club ninoto qui est un petit jeune qui, qui va beaucoup progresser maudit qui est qui est largement euh, qui est largement prometteur et qui va pas rester longtemps à ce classement Allez, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est à SPD, MBJ de jouer là. Sébastien, pour les intimes. Allez, Sébastien. Sébastien, je sais qu'il est, qu est bon. Sébastien. Allez, allez, on va chercher la partie. J'ai du mal à m'en remettre là. Là, j'accuse là, le coup là. Franchement, je. Pouf. Allez, Sébastien. On a les noirs. Française, c'est ce qu'on c'est ce qu'on recommande dans le répertoire du club, c'est bien. Allez, allez, on y croit, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave Julien. Allez, allez, on boit un peu d'eau. Allez, 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 allez. Et oui Marie qui me dit soit indulgent quand même, oui je suis indulgent. Je le répète. Hein. Moi, j'assume tout. Et voilà. Si gagne, je dis bravo. S'il perd, j'assume. Voilà. Je, moi j'aime je, pas j'aime pas les coachs qui disent quand l'élève quand gagne, il dit bravo. Et quand l'élève perd, il, il lui dit mais qu'est-ce que as fait non, il faut assumer, à la fois dans la victoire et à la fois dans la défaite, moi je dis bravo, bravo quand même à Katasumari qui nous a fait une partie masterclass. Il y a juste eu Voilà un petit problème de, de connexion comme ça sur la fin quoi. Mais euh, la partie était très très bonne. Je pense qu'il y a beaucoup de choses positives à retenir de cette partie. Et euh, je pense que la partie elle est vraiment bien, il a fait une très belle partie sous la pression, et c'est très prometteur pour la suite. Merci à toi Katasumari. C'était vraiment... Euh, non, c'était bien. C'était bien. Pas de soucis. On va revoir la partie. Et, euh, et, et, et on va avancer, on va avancer. C'est pas grave. Mais bon. Passons maintenant au match suivant. Là, c'est quand même un peu chaud. Alors, euh, je trouve que Joe, quand même, il nous a mis un 1204 en face. Alors que c'est une catégorie 1000-1200. Ouh là 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 là. Je vais appeler l'arbitre. Je porte réclamation. Ici, il y a, il y a un non-respect du règlement. Attention. Le joueur est hors catégorie. Je pose la question. Où est l'arbitre Moi, je te demande la victoire d'office sur cette partie. Ah bah oui. Ah bah oui. Attent, attention. Là, là, il y a non-respect du règlement. 1204, on est dans une catégorie 1000-1200. Attention! Ah, moi, je je, je je vais lui en toucher un bout à Joachim, hein. Bah, attends, euh, ça, c'était pas prévu, ça. Bon, je dis rien, mais. Euh... Hmm. Je dis rien en fonction de comment vont se passer les choses après. Hein. Mais euh, là, je m'interroge. Je m'interroge. On lit les tours. Tour 8. Oui! Ça joue les meilleurs coups. J'adore. Dame ce 7. Tour en e8, on prend la colonne ouverte. J'adore. Ça, c'est ce qu'on a vu. On a vu que dans la française d'échange, on met le cahier en d7, on joue c6 pour dominer comme ça euh, le cavalier qui est en c3 et mal placé. Ça, j'adore. On met la batterie dame fou comme ça. Ça, c'est ça, en a, ça on a vu. C'est très bien. Allez, tour e8. Après, on met un cavalier en e4. Je préfère les noirs aussi. L'ordinateur qui approuve aussi et qui dit petit avantage noir. Et oui, Danny Doc qui dit 4 élo de plus, c'est honteux, je suis d'accord. <laughs> non, je rigole, hein, je rigole, bien sûr, je rigole. Euh, 4, 4 élo, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Mais bon, je pose ça là. <laughs> ok, tour 8, très bien. Cavalier E4 qui arrive. Cavalier E4, il devra accepter soit un cavalier très très fort en E4, soit prendre. Mais du coup, déprend E4 et la majorité centrale qui va commencer à s'activer. C'est excellent ce que nous fait Sébastien là et, et il a déjà une minute d'avance à la pendule. C'est excellent ce qu'il fait là. C'est très très bien. Allez, allez. Cavalier E4 Cavalier E4 Moins de la barque est toute noire. Yes, 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 yes Yes Allez Est-ce que ça perd une pièce oh Fou prend un F3 Fou prend un F3. Trouve-moi, Fou prend un F3, Fou prend un F3, Cavalier, prend G5. Ah non, non, ça gagne pas de pièce. Ok, et peut-être je damse 1 s'il veut. Dame C1 pour défendre le fou, s'il est fort. Mais c'est dur à jouer Dame C1. Pour un 1200, est-ce qu'il va trouver Dame C1 Je ne suis pas sûr. Dame 3 Ah, il a. Fou prend F3. Fou prend F3. Sébastien. 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 Fou prend F3. Fou prend F3, cavalier prend G5. Fou prend F3, cavalier prend G5. Allez. Gagnez une pièce. Fou prend F3, cavalier prend G5. Allez. Allez. Tu peux trouver. Tu peux trouver. Tu peux trouver. Allez Sébastien, allez Sébastien. On a vu. On a vu Sébastien. On élimine le défenseur de la pièce qu'on attaque. Allez je Vous prenez le 3 Yes Yes Allez, let's go projet prend G5, il l'a vu. Yes J'adore. Ah, je suis fier d'eux, hein. franchement, ce qui nous, qu 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 nous fait, là, ce qu'ils nous font. Ces joueurs, là, je suis fier d'eux. Ok, prend G5 de plus bon maintenant on fait pas comme katasamuari hein, maintenant pièce de plus je répète la stratégie on échange toutes les pièces pour rentrer en finale gagnante allez allez euh, sébastien professionnel professionnel on échange les pièces on échange toutes les pièces et on rentre en finale avec une pièce de plus on a vu ça Allez, allez Sébastien. Quelque chose comme cavalier e6, cavalier f4 et hop, on échange le fou. Il faut pas chercher, euh, faut pas chercher euh, des complications. Pièce de plus, on échange les pièces. Pourquoi il réfléchit Cavalier f6, ça va. Ok. Après ce qui s'est passé avec Tasumwari, je, je préfère pas crier victoire. Je sais que ça va être compliqué jusqu'au bout. Le Hello qui a baissé là en plus dans ce match. Donc on n'est on pas, pas à l'abri de grosses surprises. Allez, 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 fou F4, fou F4, fou prend E3, on échange tout là. Caille 4 ok, pourquoi pas. Ce que j'aime pas trop, c'est qu'il garde des pièces comme ça sur l'échiquier. Ça peut permettre aux blancs d'arnaquer. Allez. Fou H2 qui peut être une menace intéressante. Allez, let's go. Cavalier F5. G6, allez. Si on échange, on est content. Moins il y a de paix sur l'échiquier, plus on est content avec les noirs. Allez, G6. G6, Sébastien. Allez, Sébastien. G6. G6 ou Fouet Fuite si tu veux aussi. Tout est bon là. Allez. Ouais Fouet H2 c'est pas mal. Hein. Magma qui propose Fou H2 dans le chat. Fouet H2 c'est pas mal. Ah G6. Yes, yeah, ça joue comme le coach. J'adore. Et oui. Asie, échange. Et bah voilà. Et voilà. On a une pièce de plus. On échange toutes les pièces. Et on rentre en finale avec une pièce de plus. C'est la stratégie que je répète non-stop. Et j'ai l'impression que Sébastien entend, m'entend. Et j'adore. Allez, maintenant on échange le fou. Ça peut être un cavalier E6, cavalier F4. Et on échange le fou. Ça, c'est excellent, ça. Un petit dame F6, ça peut être pas mal pour menacer dame prend F2 aussi. Même dame F4, très actif pour menacer dame prend F2. Pas mal du tout aussi. Ah j'aime pas trop C5, hein. C5 j'aime pas du tout. Pourquoi, pourquoi vouloir compliquer J'ai répété en entraînement pièce de plus, on échange toutes les pièces. Et on rentre en finale gagnante. Là C5 ça crée un déséquilibre. J'aime pas du tout. Allez, c'est 4 on prend l'espace. C'est 4 on prend l'espace. S'il le te plaît. Nata sous la, sous la minute. Je préfère rien dire. Hein. Je, je pense que c'est le destin. La partie précédente, je me suis trop enflammé. J'ai cru qu'on gagnait. Le destin m'a puni. Donc là, je préfère rester très méfiant. Surtout à ce niveau-là, 1000-1200, ça peut vraiment partir en vrille euh, très très vite. Tac la dame, c'est bien. Allez, dame F4. Stop les Yes, dame F6, super. Menace dame prend F2. On adore. Est-ce qu'il va voir Il a vu. Cavalier G3. Allez. On rentre. Allez Sébastien. On rentre. Let's go. Yes Allez, joue bien là, joue bien. Allez, un petit dame F4, dame E3. Tac le fou. Yes! Tour prend deux! Tour prend deux! Yes! Ok, ça il peut pas la perdre. Ça il peut pas la perdre. Ça craque en face. Ça craque en face. J'ai dit, ça va jouer au mental. Let's go. Let's go. Ramène le cavalier là. Un petit, un petit dame F5, dame C2. Allez! Sébastien! Yes! Oh Quelle technique, j'adore! Cavalier 6, on bouge. On bouge la colonne. Ou dame C2, c'est pas mal aussi. Cavalier 6, j'aime bien, hein, ça bloque la colonne. Cavalier 4, c'est ex excellent aussi. Avec euh, le pion F3 qui est cloué, il ne peut pas manger en E4. Ok, si on, gagne cette, si on gagne cette partie, on prend vraiment une option sur le match là. On mènerait 4 à 2. Ce serait vraiment excellent. En plus, le joueur en face qui n'est pas dans la catégorie Hello. Donc, il euh, y a comme quoi il y a une justice. Et voilà, on nous met un joueur qui, qui n'est pas dans la catégorie, qui est 1204, alors que la catégorie va jusqu'à 1200. Et donc, justice. Justice pour Sébastien qui l'emporte malgré tout. Oh là là, il a joué cavalier E4, mais quel, quel génie! Voilà le. Oh, j'adore cavalier G3. Dame F4. Ça va faire mal, ça. Oh là là, 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 là. j'adore. Allez, Sébastien. Allez, Sébastien. Allez, 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 allez. allez. C'est fini, ouais, c'est fini. Dans le chat, vous me dites que c'est fini. Non mais je préfère pas m'exciter parce que euh, après ce qui s'est passé avec la ta tasonnerie... Allez Sébastien, Sébastien. Il s'endort là. Pourquoi il s'endort Il y a, la dame, des deux, il y a la dame des deux, excellent. Excellent, ça attaque la tour. Ça prépare le petit, euh, le petit redéploiement du cavalier là pour mater en G2. Allez. Allez Sébastien. Allez Sébastien, allez Sébastien. Tourbé 1 ultra passif Allez Sébastien Oh dame c2 J'ai l'impression qu'il a pas le plan de gain J'ai l'impression qu'il a pas le plan de gain Il... Oh là 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 C'est un peu hésitant ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il va faire Qu'est-ce qu'il va faire Qu'est-ce qu'il va faire là Qu'est-ce qu'il a... qu qu veut faire Qu'est-ce qu'il veut faire Oulala, là là là, il m'inquiète, il m'inquiète, il m'inquiète. Oh là, là, il répète les coups, mais j'ai l'impression qu'il sait pas quoi faire. Euh, je suis pas confiant, je suis pas confiant, je le sens en je, je, je sens qu'il doute là. Je sens qu'il doute. Il a plus de temps. Sébastien, Sébastien. Allez, Sébastien, Sébastien. Allez Sébastien, tu peux le faire, tu peux le faire, Sébastien. Allez, allez, c'est matin 6 là. Sébastien. Sébastien. C'est matin 6 là. maintenant 4. Yes oui! Let's go! Allez! Vas-y! Oui! Yes! Abandon! 4-2. J'adore. Allez. Bim! Ok. Match nul déjà assuré. On adore. Match nul qui est assuré. Et en plus, là, je peux vous dire que les deux qui vont arriver, ils vont faire mal. Ninoto. Ninoto, grand espoir du club. Qui se présente. Allez Ninoto, Ninoto61, c'est parti, let's go. Let's go, let's go. Ninoto qui va jouer. Ouh. Je le sens bien là, je le sens bien. Bon, dites-moi là, dis-moi. Comment, comment Joe il, comment Joe, il, il est là dans, dans, son, dans son stream Twitch. Ouh. Là, je le sens bien là. Ouh. Allez, Ninoto qui joue. Il joue contre Doctor Stone. Allez, c'est parti. Ah. Les deux joueurs qui n'ont pas encore joué, j'ai l'impression, qui ne se sont pas encore défiés. Petite pause technique. Allez. Allez, j'aimerais oh, tellement les coacher, là, mes deux joueurs. Leur dire qu'un match nul, ça suffit. Waouh, merci à El Matador pour les 10 euros. Ça fait ultra plaisir. Merci à toi. C'est incroyable de streamer, en fait. <laughs> merci à vous. Merci de regarder ce... Je ne pensais pas qu'on serait autant, aussi nombreux pour ce, ce petit live. Ça fait plaisir, merci à tous. C'est vraiment, vraiment une, un gros plaisir. Allez, c'est parti. Ninoto qui joue contre Dr. Stone. Cette partie est peut-être décisive. Ninoto. Ninoto. Jeune espoir du club. L'un des, des tout premiers membres du club, Ninoto. Et je serais très content pour lui. Euh, voilà, Ninoto qui, qui est tout jeune. Je serais très content pour lui, pour Ninoto, s'il si, euh, si venait à marquer le point de la victoire du match. Ah, ça me rendrait super content pour lui. Et là, ce qu'il nous fait, c'est magnifique, là. Dame C3, c'est pas magnifique, Ninoto Pff, Dame C3, pourquoi Dame C3 Ah, il veut manger en C6, d'accord. Ouais, mais bon, il y a KD5, Dame prend C6, fou D7. Grosse compensation pour les Noirs, je trouve, hein. Ah, j'aime pas du tout. Ah, il l'a pas vu. Il l'a pas vu en face. Attention, KD5. Menace de prendre la paire de fous, là, Ninoto. Ah là là, j'aime pas du tout ce qu'il fait, là. Ah là, là 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 Il perd la paire de fous, là. Je vais Dame des deux. Allez, je trouve Dame des deux. Ninoto, Dame des deux. Il y a le fou à défendre, s'il te plaît. Ninoto. Ninoto, s'il te plaît. Yes. Yes. Voilà, les, matchs, les matchs à 800 Hello, là ça peut ça peut se renverser très très vite c'est dur à regarder hein. OK, c'est pas mal il là, le centre des pièces qui sont bien développées le fou qui va arriver en d3 cavalier e5 là qui peut arriver oh pas bah, cavalier ne joue pas cavalier e5 Ninoto ne joue pas cavalier e5 super Ninoto attention Ninoto ça ça m'inquiète Ninoto là là j'aime pas ça là il y a du fou g5 qui se balade Ouais, H4 ça me rassure. H4, voilà, on évite les Fou G5 qui gagnent la dame. Super. Il joue très bien là. Allez, 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 allez. Cavalier E5. H5 ça me fait peur, ça. H5 j'aime pas trop. Ah là 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 là, là. s'il bouge le cavalier, il y a Fou G5 qui perd la dame. J'ai peur qu'il bouge le cavalier. Ah, échange de dame, échange de dame. Est-ce que ça échange les dames ou pas Je pense que les noirs doivent changer les dames. Hein sinon ils vont se faire mater les noirs. Ah, il hésite en face. Oui, je vachement vite hein, les deux joueurs. La finale, c'est pas mal hein, parce que c'est vachement solide pour Inoto, je ai du mal à voir à perdre, j'ai du mal à le voir perdre. OK, ça échange les dames. Ah, et quelqu'un qui Hop. Ah oui. Ok super, ça échange des dames à 6. Ça ouvre la colonne pour la tour, super. J'adore. Allez, tour prend un 6. Let's go. Tour H1, ça double. Tour H8, on va mater. Tour H1. Allez, on double. Allez, Ninoto, Tour H1, c'est pas mal aussi, ça attaque le pion. C'est pas mal du tout. Si hein. F6 peut y avoir du tour H1, du fou E4. Fou et 4 tour H7, ça peut faire mal ça tour à charge, j'adore tour à 8 normalement pour éviter tour à je suis pas sûr qu'il le voit le tour à 8 à 800 elo ça peut, ça peut manquer ça ah il est ah il l'a vu ok c'est pas grave on peut tout échanger merci Benjamin merci Benjamin pour le soutien ok fou et 4 ça joue bien ça joue bien ça menace tour à 7 ah là 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 il est fort c'est vraiment un super coup ça. Menace, tour achète. Menace de gagner une pièce. Let's go, tour achète. va gagner la pièce. Il peut pas perdre ça, franchement. Il peut pas perdre ça. Match nul, match nul, on gagne le match. Allez, tour pour la il joue bien en face, en face quand même. Alors, on échange, on échange, on fait match nul comme un grand maître. Tour pour la propose nul. Allez, yes. Allez, on a fait un stage sur les finales récemment. On centralise le roi, Ninoto. Oui Il va gagner, Ninoto. On a vu ce thème. On active le roi et on rentre dans le camp adverse. Ninoto. Ninoto, s'il te plaît. Roi C4. Roi C3. Roi B4. Let's go Let's go, Ninoto. Roi C3. Roi B4. Let's go Yes Roi B4, Roi C5. Roi D6. Oui, on a vu ce thème. Let's go Oh Déconnexion. Oh, j'en peux plus. C'est trop stressant là. Allez, 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 allez. Allez, allez, la partie, s'il vous plaît. C'est la partie du titre, là. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé Ah il a créé. Ah, il a créé la majorité, c'est dangereux ça. Yes Ah oh, j'adore oh, J'adore Je suis trop fier de lui là. C'est génial, ça, ça. C'est exactement ce qu'on a vu. Oh là là, ce qu'il nous fait, c'est magnifique. C'est vraiment du très très gros niveau là pour 800 elo. Ah, ne, 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 non, 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 non c'est chaud là, qu'est-ce qu'il fait? Oh, oh non, mmh. faut pas qu'il déconne, faut pas qu'il déconne, faut pas qu'il déconne. Roi E7, faut absolument jouer Roi C7. S'il te plaît, Roi E7, il faut absolument jouer Roi C7. Sur Roi E7, il faut pas jouer D6. Faut pas jouer D6 sur Roi E7, s'il te plaît. Ninoto. Est-ce qu'il va trouver Roi 7 déjà c'est une question Peut-être qu'il va pas le voir. Peut-être qu'il va pas le voir en face. Il aurait pas dû rentrer en finale de pion. Là ça peut partir en vrille à chaque instant là. Ça hésite en face. Allez, Roi C7. C'est top les roi C7. Yes Yes J'adore Yes Yes Roi C7. Ah Trop fier de lui. Non Pourquoi il mange pas le pion il, il pouvait manger un pion. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, là Oh non... Je peux plus, je peux plus. Il faut que je t'embarque de l'eau, là. Oh là 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 là, on va la perdre, on va la perdre. Ah là 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 là, 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 là. C'est super dur à jouer ça. C'est super dur à jouer ça. Le pion noir qui va probablement aller à Dame. Ah, mais Ninoto, 4 minutes. Euh, il aurait pu réfléchir quand même. Hein. Allez, perpétuel, perpétuel. Échec perpétuel. Let's go. Oh. Dame G6. Perpétuel. Déjà que ça, déjà que ça, les grands maîtres, ils ont du mal à jouer ce genre de finale. Alors entre 2, 18, entre 2 800, ça va être chaud. Allez, let's go. Roi F3. Trois fois la même position. Trois fois la même position. Non, mais Dame C6, c'est trois fois la même position. Oh, il avait le nul, là, non oh, Dame C6, c'était match nul. Trois fois la même position. Allez, 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 on harcèle, on harcèle. Les échecs, Dame G5. Let's go. Oui. Allez, Roi F3, il n'a pas le choix. Ah, il peut peut-être aller en H2, mais c'est dur à voir ça. Oh Let's go ah, J'adore change les dames, bien sûr. Oh là 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 là. J'y crois pas. Ah, je suis trop fier de. Ah, je suis trop fier. Ah là là. Ah là là, je suis trop fier de mes joueurs. C'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Ils ont vachement bien joué là. Waouh. Ils ont joué à un niveau, euh, wow. ils ont joué à un super niveau, je suis très fier d'eux. Je suis très fier du travail accompli. C'est euh, génial. Match gagné. Le match est gagné. Oh là là. Alors là, le score. Oh là là. Bravo Ninoto. 5 à 2. Je suis très fier de mes joueurs. Ah oh là, là 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 là. Ça, c'est le travail qui a payé. Bravo à vous. Et on termine en beauté avec encore le, le dernier match. Mais je suis tellement fier d'eux. Ils ont tous joué à un super niveau. Même ceux qui ont perdu, ils ont, ils ont fait une belle partie. Et ils ont souvent dominé l'adversaire. Donc euh, je suis vraiment super fier d'eux. Bravo. Bravo à mes joueurs. Je suis très très fier d'eux. Oh là là. J'ai senti une superbe sérénité quand on a fait le discours d'avant-match à 19h30. Ils avaient l'air tous très concentrés, très sereins, très sûrs de ce très conscient de ce qu'ils avaient à accomplir. Je suis très fier d'eux. Halala. Allez, on finit avec la petite cerise sur le gâteau. Lucie Harmony contre euh, Maudit 34, qui est euh, le joueur côté de mon club. Et qui joue la Benko! Ouh là. là, 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 là. Ça, va partir, ça va partir en sucette. Merci à tous ceux là qui font le petit GG dans le, dans le chat. Ça fait super plaisir. Merci. Merci pour euh, les félicitations. Je suis trop fier d'eux. Bravo à eux. Bravo au club. C'est un énorme plaisir. Et, euh, et ça fait plaisir parce que c'est des, des membres qui qui sont là et qui travaillent depuis plusieurs mois et qui sont là aux entraînements, qui sont là au tournoi et, euh, et je suis vraiment très content pour eux qui qu aient remporté ce match avec avec un tel écart c'est euh, c'est vraiment le travail qui paye et, euh, et moi j'adore c'est euh, c'est euh, je suis trop content je suis trop content euh, c'est euh, voilà c'est vraiment euh, moi-même en tant que joueur, je... voilà. Je... oh, 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 oh Maudit 34, là, c'est pas une raison pour te donner les... Non mais ça on a vu. Bon, on n'a pas vu, j'avoue, mais Dama 4, il y a Dame... Oh, oh elle a pas vu Dama 4 oh, Elle a pas vu Dama. 4 Dama 4 Elle a pas vu Ah oh. les deux joueurs, ils ont eu une absence là il y avait Dame 4 qui remportait le cavalier A6. Ouh, on avait chaud. Non, je suis très fier de mes joueurs. Euh, Moi-même, en tant que joueur, euh, voilà, je je sais que des fois, on travaille dur et des fois, les résultats ne sont pas forcément là. Et euh, c'est ultra euh, désespérant, des fois. Et, euh, et donc, euh, voilà, moi, je sais que ces joueurs, ils travaillent dur et. Euh, et donc les voir gagner comme ça, je suis très content. Je suis très content et je trouve qu'ils ont juste euh, la juste récompense de leur travail. Donc euh, je suis très content pour eux. Et, euh, et voilà, en tant que joueur, euh, je, je trouve ça très beau de voir que, que quand, quand un travail paye, quoi. Voilà. Donc je suis très fier d'eux. Je suis très fier d'eux. Et voilà. Je suis très très fier d'eux. J'en ai, ai même un petit peu les, les yeux mouillés. <laughs> Il joue vachement bien là quand même. Hein. Fou F6 pour améliorer le fou sur la grande diagonale. bah oui Quentin il dit Julien très émotif bah oui j'avais pas prévu d'être comme ça mais c'est voilà moi même je sais que voilà des fois on travaille et les résultats sont pas là et, euh, et ça peut être frustrant et donc euh, quand il y a le travail et que les résultats sont là ça fait plaisir donc voilà c'est ça qui me, qui me rend un peu euh, ému il joue bien là en plus Maudit34 c'est pas mal du tout ce qu'il fait G5 c'était peut-être un peu too much hein, parce que le roi noir qui est quand même vachement un petit peu faible. Et, euh, et c'était peut-être un, un peu de trop. Pourtant je dis beaucoup de pas toucher au pion FGH du roi pour pas mettre le roi en danger comme ça. Fou F6, super, super. Ça instaure ici là les, les thèmes tactiques. Ça c'est génial. Par contre, il y a, par contre il y a le pion D6 qui est en l'air là, j'ai pas s'il si l'a vu. Il y a le pion D6, attention, attention Maudit. Attention Maudit 34, là, au pion D6. Faut défendre le pion D6. Allez, s'il te plaît, on défend le pion D6. Allez, allez, allez. Et oui. Bah oui j'ai les yeux brillants et bah pas parce, bah parce que parce que. Parce qu'en fait c'est vachement aléatoire les résultats quand même en compétition. Le jeu d'échecs est tellement vaste que des fois vous pouvez travailler très très dur les échecs. Il se peut que dans la compétition importante, vous ne tombiez pas forcément sur ce que vous avez travaillé, et il suffit de ça pour que euh, les résultats soient mauvais. Et donc euh, voilà, même quand on travaille dur, des fois il peut y avoir une part d'aléatoire dans les résultats. Et donc, quand les planètes s'alignent, ça fait quand même ultra, ultra plaisir. Allez. Bon, il y a quand même un enjeu là. J'aimerais bien qu'on finisse en beauté et qu'on colle un petit 6-2 à Joachim. <laughs> ça me ferait bien plaisir quand même, un petit 6-2 à Joachim. Question qu'il aille s'entraîner un petit peu avec ses joueurs et qu'il revienne un peu plus fort. <laughs> et ça trash talk un peu là. Cavalier 5. Allez, let's go. Cavalier E5. Seule case. Allez, yes, yeah, super. Excellent ça. Ça bloque toute l'initiative blanc au niveau de, du centre et de la droite. J'adore. Allez, fou prend E5. Surtout pas des prends E5 s'il le top les maudit. Parce que le fou serait très mauvais en F6 bloqué derrière ses propres pions. Super, fou prend F5. Fou prend E5. Là, ça va échanger normalement. Et tour prend E5. J'aimerais bien voir tour prend E5 sur l'échiquier. J'aime bien, les. l'ordinateur dit que les blancs sont mieux, mais je trouve que d'un point de vue humain, c'est très agréable à jouer pour les noirs. Une minute d'avance à la pendule aussi pour Maudit34. Allez, un petit 6-2, hein, ça mettrait un, un, un petit joli score de tennis à, à Joachim. Petit 6-2. Au moment de Roland-Garros, c'est pas si mal. Hein. Allez, tour prend le 5 j'adore, super. Des prends E5, j'avais peur qu'il joue ça parce que ça aurait été pas très bon. Ça crée le pion passé pour les blancs. Tour prend E5, c'est excellent. Je pense que l'ordinateur aime beaucoup les blancs parce qu'il y a F4. Mais je suis pas sûr que Lucie Harmony à 700 Hello elle trouve F4. Je pense pas qu'elle va jouer F4. Ouais, elle joue dame 3 et forcément, ça c'est pas bon du tout, je pense. Ouais. Allez, il y a pas mal de coups possibles là. B4, tour B4. Il faut s'infiltrer dans le camp blanc là. Faire le coup de grâce. Allez, F5. Euh, C'est brave. Hein. Bah le roi noir, il fait un peu peur là quand même, Maudit 34, là. Ça fait un peu peur quand même, ce roi en G8 là qui est à nu. Okay, allez, F4, F4. Allez, s'il te plaît. On, on ferme pour sécuriser tout ça, s'il te plaît. Let's go. Allez, F4. F4. Il faut fermer le jeu pour sécuriser le roi. On a vu ça. On n'ouvre pas les lignes sur son roi. Allez. Yes. J'adore mes joueurs. Et ils jouent, ils jouent vachement dans l'esprit de tout ce qu'on enseigne. Je suis très fier d'eux. Allez, on empêche la dame de s'infiltrer. Donc, on contrôle la case D7, s'il te plaît, maudit 34. Un petit Dame d7, c'est pas mal, par exemple. Un petit Dame d7, euh, ouais, Dame d7, Dame c7, c'est pas mal. Il faut, faut empêcher la Dame blanche de rentrer. Ça va jouer à pas grand chose. Hein. Je sens que c'est très serré entre les deux joueurs. Ouais, c'est pas mal. Alors, pff, le problème, c'est qu'il laisse la colonne B pour les blancs. H4, elle joue bien Lucie en face. Elle joue bien Lucie. Elle ouvre un front là. C'est pour ça que j'aimais pas trop le G5. Ça va jouer à pas grand-chose. J'aimerais vraiment mettre 6-2 quand même à Joachim Si on finit à 5-3, il y aura eu match quand même. J'aimerais vraiment mettre un 6-2. Allez, allez, maudit. Ça va être chaud là. Ça joue vachement bien pour des 700 Elo J'aime pas du tout cavalier prend à 2. J'aime pas du tout cavalier prend à 2. J'aime pas du tout cavalier prend à 2. Je pense qu'il y, a... y a. Dame prend. Je pense qu'il y a tour à 1. Tour prend à 7, peut-être. Et là, les noirs qui sont un peu au bord de l'échec et mat. Là, je prends, peut-être. J'ai peur de tour à 1. Tour prend à 7. Ça m'a l'air super dangereux, cette histoire. Suivi de Dame h 5. Dame h 7, mat ah, mais à 700 Hello, est-ce qu'elle va trop... Être... Oh là 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 là, là. Mais c'est pas 700 Hello ça Il manque un 1 devant son Hello, c'est pas possible Elle trouve tour A1, elle trouve H4. Elle donne pas de pièce en 1. C'est quoi ça Mais. Mais d'où on joue comme ça à 700 Hello Ben non Mais c'est quoi ça Non, 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 elle a trop bien joué là ah, ça va être chaud. Là, c'est dur, là. Là, il y a Dame H5, Dame H7. Ah là là, là comment on Ok, vas-y, vas-y, vas-y. joue, joue, joue. Dame, B6, Dame B6, Dame B6, Dame B8. On attaque la tour. Dame C2, il y a quand même Dame H5. Hein. Oh Yes Mange le 4. Mange le 4 et tu reviens en défense. C'est excellent, ça. On revient en défense, il n'y a plus d'attaque. Mange le 4 avec la Dame. Allez, Dame prend le 4. Dame prend le 4. Yes Yes, j'adore! Allez! Allez! Elle va faire Dame H5 pour menacer Matt. Et sur Dame H5, on fait quoi? Ah, C'est chaud quand même. Ah non, mais Dame H5, elle menace rien. Parce que la dame contrôle. Ouais, Dame H5, Dame F5. Et on contrôle toutes les cases. Ok, excellent. Ah. 6-2. 6-2. 6-2, 6-2, ça arrive. Allez, allez, allez. Lucie qui hésite, qui passe sous les 40 secondes. Elle va craquer. Elle va craquer Lucie. Je sens qu'elle va craquer. Elle passe sous les 30 secondes. Elle est pour l'histoire. 6-2. Elle est sous les 20 secondes. c'est ne sait plus quoi faire. Lucie qui est en zone rouge. Ah oh, putain, elle trouve le meilleur coup. Allez, dame f5, dame f5, dame f5, s'il te plaît, dame f5, dame f5, s'il te plaît, s'il te plaît, dame f5. Attention, attention, dame f7, c'est une menace, dame f7, c'est une menace. S'il te plaît, tour f8, tour f8, ou bien euh, tour e7, ou bien dame f5, l'un de ces trois coups, s'il te plaît. S'il te plaît, maudit, 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 on empêche dame f7. Allez, 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 allez. Yes Non Non Non, il y a dame rangée 5 Wouh Oh yes Oh yes, elle a changé les tours Oh là là là. on peut pas perdre ça, on peut pas perdre ça. Oh yes Oh l'échange des dames, oh j'adore. Oh, finale de tour avec un pion de plus. Allez, euh, on a vu, on a vu ça, maudit. Pion passé, le pion passé il est déjà créé, on le pousse jusqu'à la dame. Let's go, let's go, tour C8, C4. C'est quoi ça, tour F8 C'est pas ce qu'on a vu. Tour F7. Tour des 7, s'il te plaît! Ok, pourquoi pas? Non, mais. Non, mais maudit! On a dit la tour derrière le pion passé et on pousse le pion passé! Oh! Prise! Yes! 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 yes oh, j'adore! Oh, j'ai trop fier d'eux! Trop cher d Maudit il est là à tous les entraînements il est là aux entraînements il est là aux tournois toutes les semaines plusieurs fois par semaine il mérite cette victoire Maudit il la mérite c'est pas le hasard c'est le travail let's go Maudit yes c'est le travail Maudit let's go yes c'est ce qu'il mérite let's go c'est trois on évite le pas s'il te plaît allez c'est trois ok yes allez roi des trois allez on fait une dame Ça joue vachement bien quand même d'être de côté. Hein. Pour des 700 Hello, c'est une partie... Euh, ça, franchement, il n'y a, a pas eu de gaffe. Il y a juste eu le Dama 4 au début. Mais pour des 700 Hello, ça joue super bien. En plus avec la pression du match... Oh Attention aux pattes. Non, pas les pattes. Attention, attention. Pas de pattes. Pas patte de pattes. Pas patte de pattes. On fait l'escalier. On fait l'escalier, s'il te plaît. L'escalier, l'escalier. Yes, toujours faire échec. Non, toujours faire échec, c'est la règle pour éviter le pat. Oh, il va me faire un pat. Il va me faire un patte. Échec, on fait échec. On fait toujours échec pour éviter le pat. Il faut. Oh, j'étais déconnecté. Oh, il a fait un patte. Qu'est-ce qu'il a fait Oh, pas de pat. Ah oh, yes. Merci à tous mes joueurs, je suis tellement fier d'eux. Tout ça, c'est grâce à eux. Tout ça, c'est grâce à eux. Tout le mérite leur revient. Je suis super fier d'eux. Franchement, c'est le fruit de leur travail. Et euh, ils ont super bien joué. Ils ont tous joué largement au-dessus de ce qu'ils font d'habitude. Et, euh, et c'est tous des joueurs qui sont là souvent aux entraînements. Et donc ils méritent. Ils méritent ce résultat. C'est le fruit de leur travail. Donc bravo à eux. Et même à ceux qui qui ont laissé euh, une petite peau de banane comme ça et qui sont tombés sur une peau de banane, même à eux, je dis merci. Même à Katasumori ou à ganibar merci à vous. Franchement, c'était un travail d'équipe. On a fait le discours d'avant-match ensemble. On a fait le match ensemble. Et donc, euh, c'est ensemble qu'on a gagné. Gani Bar, Katasumori. Euh, moi, je, je prends la responsabilité de votre défaite. Voilà. Euh, c'est important, je peux pas dire euh, bravo quand tu gagnes et euh, quand tu perds je dis mais qu'est-ce que t'as fait, c'est n'importe quoi, on n'avait pas dit de faire ça donc euh, c'est aussi votre victoire Ganibar et Katasumori, je suis super fier du travail réalisé, 6-2, merci à vous et euh, franchement bah Joachim, écoute, petit message pour toi Joaquim, va falloir travailler un petit peu avant de défier à nouveau le club de Julien Song et... Euh... <laughs> Moi, je rigole, hein. mais euh, je suis super content. Merci à tous aussi euh, dans, le, dans le chat pour vos, vos petits messages de félicitations. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, c'était vraiment un super moment euh, à passer euh, avec vous. Euh, ça me donne limite envie de refaire des streams. Euh, en tout cas, euh, de vous voir aussi nombreux, c'était un, un gros plaisir. J'espère que vous avez passé euh, une bonne soirée euh, en notre compagnie. Avec moi et Joachim et que c'était un vendredi soir sympa. Merci aussi bien sûr à Joachim sans qui ce serait pas possible. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, bien sûr. Et euh, merci à lui hein, d'avoir aussi répondu présent pour ce match. J'espère qu'on en fera d'autres. Et si ça vous plaît, on en fera d'autres. Merci à tous, je vous souhaite à tous un super week-end. Vive les échecs et. Euh, et ben voilà, c'est déjà bien comme euh, fini, je vive les échecs, il n'y a rien de mieux. <laughs> Merci à tous. Bonne soirée. Ciao, ciao.